Eh oh. Alors. Ok, c'est bon. On est bon, les potes. Salut, viens, tentacos, quoi? Comment ça? Ah, bien, tentacos, t'as dû lire. Ben, merci beaucoup, Emmanuel. Pour moi, c'est flamme quiche à volonté. Oh putain, mais les flammes quiche à volonté, c'est énorme. Et t'as mangé dans les trucs dans le restaurant Flams? Le restaurant Flamme, j'adore les flammes quiche à volonté là. Inventaire, non, c'est pas ça. Oh, Samovard. Ok. Merde, j'ai pris une photo, je voulais pas. Allô? Ouais, mon petit Sam, ça va ou quoi? Ah, salut Jerry, ça va ou quoi? Ouais, t'es où du coup? T'es dans le coin? Ouais, je suis sur Paléto, je suis avec Tom, on est chez lui là. D'accord, ok. Mais du coup, il m'attend pour. Ouais, on t'attendait. Tom, t'as une bagnole 4 places là? Ah merde. Ah ben toi, mais j'ai une bagnole 4 places moi aussi. Bah oui, t'as une 4 places. Elle est au parking de l'appart? Non, elle est pas au parking de l'appart, elle est au dépôt. Attends, Ok. mais je te rappelle déjà. Bah moi je peux venir à pied tranquillement, on habite pas loin de chez lui, hein. Non, mais je regarde avec Tom comment on fait, puis je te rappelle. Ok, bah moi je me rapproche tranquillement à Yep de. Je me rapproche tranquillement à Yep de chez Ok, lui, ça hein. marche. Ok? Vas-y. Vas-y, à tout à l'heure. Ta-da-da-da-da. On va boire un coup déjà. Alors qu'est-ce qui ça se dit? Salut, plus un like. Yo tonton ATKS, la team ATKS, elle est là. Yo Natou! Oui, chez Flams à Lyon. Mais Flams, c'est le feu, hein. Je sais pas si vous connaissez les gens Flams, mais si vous avez jamais été mangé, c'est super. Faut aimer bon, les flammes kush, hein, mais ça c'est quand même quelque chose de très très bon, hein, on est d'accord. Il y a un peu des flammes kush à tout. Et en fait, Flams, tu as des flammes kush à volonté, et c'est vraiment top. Franchement, c'est un truc de ouf. Je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Il est où à Lyon le truc? À côté de la Part-Dieu. Tararari du 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 du. Ouh là là, Nathan. Je vais essayer de pas me faire bouffer la gueule par un jaguar aussi, ça serait bien. Parce que là, la chasse elle a rouvert et tout, il y a des jaguars en plus là. J'ai la chanson dans la tête là du Hobbit. Bon, j'espère que ça va être sympa. Donc quoi, ouais, comme je vous disais, du coup, nous on voulait un métier de farm. Le problème c'est qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir en ce moment. Du coup, on s'est retrouvé un peu dans une impasse parce qu'on envoyait des CV à toute berze, mais personne n'était disponible pour nous recruter ou quoi que ce soit. Oh, il me casse les couilles, lui. Ouais! Ouais, t'es sur Paléto déjà là? Ouais, je suis sur Paléto, je suis à côté de la BCSO là. Ok, bah, je te vois. Moi ouais, je pense. Ouais, c'est toi. Ouais, vas-y, monte. Ok. La pipe pour l'amour! Allez, montez, mademoiselle. Ouais. Attends deux Il est secondes, passif. je touche un truc deux secondes. Je vais Ok. descendre un petit peu le son par contre parce que j'ai monté le son hier du truc et ça fait trop fort je trouve. Option du son. Touche pas trop mes couilles, hein. Volume, ça va être ça. Non? Peut-être ça, ouais. Voilà. Salut, salut, yo Rose! Non, c'est rue Mercier juste à côté de Cordelier. Cordelier. Ok. Je sais pas si tu connais Lyon, mais du coup c'est vers Bellecour. Ok, Bellecour, ok. Moi je connais un petit peu, mais pas, je suis pas machin, mais Bellecour, oui, je connais. Hello, le petit pote. Yo, Rudy. Ouais. Et putain, c'est quoi ça ici? C'est une boutique. Ça va pas comme Où truc. ça? Bah là, on était devant quoi comme boutique? Et tiens, à gauche, là, tu vois le truc N-N-House, là où je sais pas trop quoi là? À gauche. Ouais, là, tout de suite à gauche, là, Ah oui, après. ça c'est un bar, ouais, mais je crois qu'il est fermé, non? C'est une boîte, mais ben non, je suis allé hier soir. Ah putain, est stylé! Mais elle est ouf, Ah ouais? hein! Tu vas bien? Ouais, ça va et toi?
Oui, ça va, ça va. J'aurai besoin, c'est possible, de réparation. Ouais, bah, je m'endors. Et bonjour. Salut, tu vas bien? Yo, Tom, tu vas bien? Ça va, ça va. Tranquillement. Je viens de te réveiller? Non, 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 j'avais des papiers à faire chez moi. Je préparais quelques petites choses, mais... Ouais. Tranquillement, quoi. Bon, du coup, hier, on a vu le patron, alors, du coup. Très sympa. Ouais, ouais, j'ai vu ça sur... sur l'application, et puis... parfait, ça va me permettre au moins de vous former. J'ai vu que vous avez pas les droits sur le fichier de comptage, j'en ai recréé un. Un calqué, une copie, comme ça, que je peux vous donner, sur lesquels vous pourrez rentrer vos runs. Ouais, c'est ça, parce et que hier, il nous avait demandé qu'on lui envoie une adresse email en Gmail, mais du coup, après, on n'a pas eu de retour. Ouais, mais c'est pour ça. J'ai vu qu'il a énormément de choses à faire. Son, il est fort, le son. J'ai préféré prendre les devants, faire un nouveau, comme ça, voilà, vous pourrez le faire sans souci. Ouais, normal, ouais. Y a pas d'emmerde. Il faudra juste que je passe au LTD pour aller acheter des radios, enfin, des oreillettes qu'on puisse communiquer, etc. Je vous transmettrai la fréquence, ce genre de petits détails. Bon, on va passer au LTD. Ouais, ouais, ouais. Ouais, de toute façon, j'ai regardé un petit peu sur l'application de la société, le règlement, etc. Il disait comme quoi c'était préconisé d'avoir une radio pour pouvoir communiquer plus facilement entre collègues et tout ça. C'est ça, et on reste au moins en contact direct. Dès qu'il y a un appel, on peut se dire au courant battant. Moi, je suis à 500 mètres. Ouais, exactement, ouais. Vas-y, prends-la, je te la laisse. Bah, c'est d'ailleurs en lisant ça que je me suis rappelé ce que tu me disais, justement, que ça se tirait pas dans les pattes ni rien, tu vois, justement, parce que du coup, c'est exactement. Genre, bah vas-y, t'es à côté et tout ça. Ah, super. Parfait. Ok, nickel, moi, je te fais ça. Ouais, je t'apprécie. Alors, c'est bien. Nickel. Et même merci à toi. Et puis un bon courage. Ouais, pas de soucis, à plus tard. Est-ce que je peux vous aider, messieurs, du coup? Non, c'est bon, merci, on était avec Tom. Ok, ouais. Nickel. Bonne soirée. Bon courage. À plus tard. On va au LTD. Ok, ça marche. Tu déposes ta voiture où, toi? Non, t'inquiète, je la garde. Merci. On y va à deux, okay. Ouais. Ok. T'as vu, il a la même que toi, à côté, là. Ah ouais. Elle est jolie en rouge. Oh, ça va. Oh putain, c'est quoi qui vient de passer là à droite là? C'est un mec sur un tracteur rose, c'est comment? Barbie girl. Oh putain. T'es sûr que c'est par là le LTD toi? Ah oui, c'est par là aussi. Ouais. Bah oui. Ouais, non, mais de toute façon, tous les chemins mènent au sud. Mais tous les mains mènent ouais, à. Tous les mains mènent à. Ouais, tous les mains mènent à Blanche-Neige, ouais. Alors. Bon, quoi de beau sinon, du coup? Bah, pas grand chose, et toi? Je pense. Pense à prendre ton service sur ton téléphone. Ah, faut prendre ça sur le téléphone. Bah oui. Ouais. Tu ferais une bonne action de prendre ton service. Tu veux dire sur l'application du truc, ouais, de la ville? Non. Bah non, même pas. Sur l'application de la société. Non. Ah bon. Tu ferais une bonne action de prendre ton service. Ah oui, d'accord, ouais. Putain, mais quel con. Alors, action. Action. Mon service. Ah oui, en effet, j'ai fait ma bonne action. Oh, nickel. Et du coup, si on fait pas notre bonne action, on touche pas nos 80 balles, c'est ça? C'est ça. Ah bah d'accord. Putain, j'ai niqué un fort. Oh, putain, quoi, les gens, je suis en bas là. Bon, c'est mou là dans le chat, là, les gens, là. Gogo, parler là, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je t'ai pas vu cogner quoi que ce soit. Hein. Ouais, non, c'est peut-être dans. J'ai pris un moustique, il y a des gros moustiques hein, cet été. Hein. Dans les chemins de terre, j'ai peut-être raccroché un. Ouais, un caillou, ouais. Ou un guépard. T'as un guépard carrément, quoi. Ah, ouais. Ou un cycliste. Non, ça va. Yo, Sani. Toi, tu l'aimes bien, ce petit chemin-là. Hein. Lui, il roule avec la porte ouverte, lui. Ouais. C'est pour aérer, il y a les fenêtres. Il a pas la clim, ouais. Et ouais, ça permet d'éviter les keufs, de manière générale. Ouais. Ah oui, oui, c'est vrai que pour les keufs, ici. Oh lolo. Ça passe.
Les keufs de manière générale, ils sont pas trop là, ouais. À part une fois, on les avait croisés, mais sinon, généralement, ouais. Sinon, j'en ai croisé quelques fois, mais c'est quand même plus rare que sur la nationale. Oui, oui, oui. Puis sur la route du vin, alors là, ils sont zizir. Hein. Yo, Arwen, t'es max 44. On est le 6. Ouais, c'est bien dans deux jours la pêche. Ah, fait chier, moi aussi je voulais aller pêcher tout à l'heure. Bon, au pire, j'ai envie de te dire, nique ta mère, hein, sinon on ira pêcher quand même. Hein. Ah ouais, mais c'est considéré comme du braconnage. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, en même temps, si c'est après le service et qu'il est tard, s'en fout. On ira quand tous les flics seront à la Ouais, on ira quand tu voudras, tout ça, ouais. Quand tu pourras, tout ça. C'était bien sympa votre vidéo avec le costard tant que j'y pense. Ah bah oui, merci beaucoup Ross. Yo Yogi. Mais j'avoue quand même que putain, j'avoue que bon là maintenant c'est bon, on va voir ce que ça a donné, mais ça fait chier quand même si on aurait dû descendre sur LS alors que t'as des paysages comme ça ici là. Tu vas voir qu'il va déjà être arrivé lui. Bah en même temps avec la caisse qu'il a. Eh ben non. Ah ouais non. 4-4. Oh putain. C'est quoi ça? J'en sais rien mais. C'est monstrueux. Putain, il est magnifique ouais. Les lions ils font ce qu'ils veulent, ils font leur vie de chien quoi. Azaï, je voulais savoir si tu avais de l'expérience dans la restauration. Oui oui oui, j'ai travaillé pendant 10 ans en pâtisserie traiteur. Tu n'as même pas sa porte lui. Allez, elle va faire la porte. J'ai même éclaté mon pare-brise. Bah, c'est. Non, 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 moi dans mes lunettes, y'a rien. Ok, ok. Allez, viens, c'est bon. C'est bon pour moi. Bonsoir. Yes. Ça bonsoir. Non, pardon, je cherche mon collègue. Il est passé où? Ah, on a pas vu. Là-bas, non? Ah, là-bas, ouais. Ah, oui, il est là-bas. Ah, il est là-bas. Malheureusement, je suis obligé de quitter mon poste pour quelques minutes, donc soit vous vous attendez. Ouais, quelques minutes. Quelques dizaines de minutes. Ouais, c'est pas grave, ouais, vous inquiétez pas, on va attendre. Ok, bon bah. Mais attends, y'a quelqu'un qui vous remplace ou. Pour le moment, non, mais. Parce que c'était juste pour deux radios. Je sais même, on en vend des radios? Je sais pas, c'est. Bon, je suis en air pour aller. T'as vraiment sympa, c'est quoi comme modèle de voiture ça? C'est un SUV, c'est un Taurus. Ah ok, c'est franchement classe, il y a un petit côté ouais bah côté SUV justement, puis côté un peu sport, ça a vraiment de la gueule hein. Ouais, c'est ce qui m'a tapé dans l'œil. Il est tout neuf, il sort du concessionnaire. Ah ouais putain ouais. Bah écoutez, félicitations. Ouais, merci. Salut Fred, tu vas bien? Ça va et toi Fred? Ça fait bien les supérettes de ouf. Merci beaucoup hein, mademoiselle. Pas de soucis. Bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur le. Oui. Magnifique. Magnifique. Non mais c'est bien hein. C'est bien hein. Ça suffit largement. Moi je connais que celle du PCSO. Ça paie bien, ouais grave, ça paie bien les supérettes. Ça va nickel. Tout bien. Super. Non, on s'en va le chien, on s'en va. Allez, cassez-vous les chiens. Les chiens, ils sont relous, hein. Dès que tu leur apportes un petit peu d'attention. Et par contre, notre pote, il lui arrive un problème ou c'est comment? Hashtag balance ton chizo. Ah non, il est là. Et du coup, t'as pu lui... Ah non, t'as pas pu lui acheter? Bah, il en avait pas. Ah d'accord. J'ai peut-être ma petite idée d'où en acheter mais... Excusez-moi, allez voir parce que... Allô ? Il y a écrit quoi dessus ? Ah d'accord. Hashtag costard bug. C'est parti. Bougez pas, je reviens. Ça marche. Ouais, ce qui est juste relou sur la vidéo avec Starco, c'est que la lumière elle est vraiment vraiment trop forte. Il a fallu beaucoup que je travaille l'image pour arriver à avoir un truc un peu plus propre.
Et encore, moi je trouve ça me nique les yeux quand même. Enfin, nique les yeux, c'est pas agréable. Mais en fait, les réglages étaient faits pour son appartement qui est très peu lumineux. Moi, j'ai beaucoup de lumière et du coup, c'était pas évident. C'était pas évident. Et il a dit qu'il revenait. Il avait une idée où c'est qu'il pouvait en trouver. Ok, d'accord, ça marche. C'est un connard, mais c'est pas vrai. Qui? Bah, l'autre, il m'interdit de porter ma casquette parce que c'est marqué shérif dessus. Ah bon? Mais c'est oui. N'importe quoi. Non, mais t'en bats les couilles. Depuis quand? Non, t'inquiète pas, je vais le remettre. Il y a plein de trucs que t'achètes dans le commerce où t'as marqué police, hein. Ouais, bah oui, c'est clair. Je vais acheter un t-shirt I love LSP. I love LSD. Ah, mais attends, il revient ici. Ouais, ouais, bah il a dit qu'il revenait, ouais. Okay. On va l'attendre. T'es en RP? Oui, je suis sur RP. Tu mets un costard la prochaine fois? Non, moi je vais avoir trop chaud avec un costard. Perso, je la fais à Da Vinci. Le live de costard se trouve où? Alors là, je sais pas. Je sais qu'il m'a dit qu'il allait partir en live après. Mais je ne sais pas. Je sais pas s'il a commencé ou pas. Je sais pas du tout. Je vais regarder sur Discord si on m'a parlé ou pas. Non, bah pas de nous. Ah, peut-être qu'il est en live aussi. Je sais pas. Ouais, il est en live sur GTA aussi. Yes, il est en live sur GTA aussi. Ok. Ok, ok. Ouais, j'ai entendu que tu cherchais une radio. Bonsoir. Oui, bonsoir. Attends, bougez pas, j'ai un appel. Allô. Ouais. Le garage à côté. Ok, ça marche pas, on arrive. Ouais, vous me disiez, monsieur. J'ai entendu que vous cherchez une radio. Ouais, on cherchait des radios, ouais. Enfin, on cherche des radios. Je peux, si tu me laisses monter, c'est ta voiture derrière? Oui. Ouais, bah attends, monte, je vais te monter, je vais te montrer sur le GPS où c'est. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est sympa. Palam, palam. Ok, Simer, je vais guetter, yes. Si je me souviens bien. Tu parles plus à Gouv. Mais Gouv, je vais jamais trop parler, hein. On a parlé pendant qu'on faisait, on avait fait les trucs ensemble, hormis ça, voilà quoi. Par contre, non, le chien, c'est gentil de t'asseoir sur mes pieds, je sais, tu m'aimes, tout ça, mais tu me donnes du chaud. Mais sinon, ouais, non, j'ai jamais spécialement parlé à Gouv. Hein. Ah, c'est un serveur payant? Non, non, c'est pas des serveurs payants du tout. Il est revenu en live le guetard. Yo, Malvin! Voilà, voilà, c'est tout. C'était ma BA du jour. Bah, merci beaucoup, bah, merci. Du coup. Et puis, on va aller checker ça. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée à vous. Alors, du coup, il t'a dit que c'était où? Je sais pas, attends, parce qu'il y a Tom, il m'a dit de le rejoindre au garage. Ah, qui est okay. Derrière. Je sais pas, c'est où. Alors, garage juste derrière. Là, ça va être un là, non? Ouais, c'est un garage, oui, ça. Ça. J'ai cru que t'allais lui rouler sur la tronche. Ouais, ça c'est va. Vraiment une sacrée journée de merde. Qu'est-ce je roule, je prends une autre route que vous, j'ai failli me bloquer avec ma caisse. Et là, il y a un fils de pute qui me traîne, mais pas assez, qui me bourre, je me retrouve à quatre pattes par terre. Putain. Mais non. Ah ouais, je t'assure. Alors, attends, putain. Tiens. T'en as trouvé, c'est bon? Bien sûr, j'en ai trouvé. On m'a dit que c'était un peu plus loin là-bas. Ouais, je suis allé voir Bill. Ok, ça marche. Nickel, merci. Tu connaissais pas Bill? Ah non, moi je connais Buffalo Bill. Je connais Bull, mais... Ah, Bill. Merci beaucoup. Buffalo alors, Green. Est-ce que ça va être très simple pour l'utiliser? Vous allez l'allumer? Alors... Royette. Oh, putain, ouais. Comme par hasard, faut que j'allume ma radio. Quoi? Ensuite, vous allez pouvoir choisir la fréquence. Et c'est quoi la fréquence du coup? Ah, normalement on l'avait sur l'application de la société, c'était écrit. Ouais, ouais, attends, c'est 109.23 pour pas dire de conneries. Je vais la vérifier. Bonsoir, tu fais pas de vidéo dégustation? Ouais, je t'ai donné la mienne, elle était déjà. Mais on a mangé tout à l'heure, mon petit Cisco. On a mangé. Non, mais y'a pas d'où on l'aime pas. Je crois quand même pas que j'allais te donner une 9, non? Autant que je change la mienne, hein. Ouais, si jamais il y a. Donc Bill, il habite 2-3 maisons au bout là-bas. Il vend pas mal de conneries. Oui, y a pas de bon là où on l'aime pas. On a jamais vraiment tapé la discute avec lui, okay. Comme si c'était un pote ou quoi. Hein.
Et donc, après, le petit bouton en forme de L là qu'il y a dessus pour activer ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est relativement intuitif, c'est une radio quoi, voilà. Alors moi, j'ai pas écouté là ce qui se passait en fait. Alors, il faut que tu vois ton oreillette que t'as là, tu la mets à l'oreille, ça ouais. Porte bien son nom. Tu l'allumes. Non, ah, je l'ai pas mis sur l'oreille moi. Ouais, enfin, l'oreille... portatif, non. Vous avez activé votre oreillette, ok. C'est vrai que moi je la cache, je l'accroche à mon t-shirt, ça fait un petit micro relativement discret. Ah oui, ok. C'est comme ton téléphone. Et ensuite tu te branches sur la fréquence 109.23. Alors 109.23, putain, on peut pas faire directement ça. Et Ah ok. C'est loin 109.23. C'est long de monter jusqu'à 109 là. Il y a un petit bouton manuel. Il y a un bouton MAN, t'appuies dessus et tu mets 109.23 tout simplement. Ah. Ah oui, ça va beaucoup mieux, ok. Après tu l'allumes. Normalement ça devrait être pas mal. Ouais bah là c'est bon normalement. Attends. On va faire les tests. 109.23, hein, t'es bien, on est bien d'accord. Vous avez désactivé le mode muet, ok. Vous entendez Jerry ou pas? Je crois pas, non. Non. T'as pas dû bien la brancher. T'es sûr qu'elle est bien allumée? Ouais, elle est allumée. Attends. Essaye de l'éteindre et de la rallumer. Ouais, je viens de le faire. T'es bien sur 109.23. Ah non, non, ouais, j'ai fait une connerie. Ah ouais, d'accord, forcément, ça marche moins bien. Ah voilà, là j'étais en 119.23. Là je suis en 109.23, ouais. Ouais, c'est bon. Là c'est bon, on t'a entendu sur l'arrivée sur radio, donc ça c'est bon. On est reparti au dépôt et je vous montre pour les véhicules et Ouais, ça marche. Comment on la range cette connerie? P? C'est bon, t'as trouvé comment couper et allumer le micro de la radio, tiens? Ouais. Non. Ah oui, je viens de comprendre là. Ok, voilà. Ah bah c'est magnifique, c'est magique. C'est incroyable, ouais. Hein, n'est-ce pas? Amazing. Bon, on se retrouve. Attends, je vais remettre ma casquette par contre parce que l'autre. Ah oui, je sais pas pourquoi lui casser les couilles. Ouais, il y a écrit shérif dessus. Et alors, quand t'as un t-shirt avec marqué Hollywood, tu peux pas te promener à Hollywood? Attends, c'est quoi le problème là? Qu'est-ce qui te faisait chier? Mais le flic là, il m'a dit ouais, par contre, faut enlever votre casquette, il y a écrit shérif dessus, machin. Vous êtes pas de la BCSO. Si elle est en vente, c'est pour la mettre, non? Après. Enfin, bref. Ouais. Bon, allez, c'est reparti, bon. Je vais vous montrer. Yes. Ça marche. Alors, on le trouve où le live de Costard? Je sais pas, faut aller sur la chaîne de Costard. Alors ensuite, moi j'ai eu la notification. Vas-y, passe devant, Tom. Mais son boîtier 4G, il est mort. Ah non, il a un nouveau boîtier 4G. Azaï 109, pas 119. Ouais, Soudard, je me suis trompé, ouais. Lol, bien vu Soudard. Yes, Soudard, il a l'œil vif. L'œil vif est bon. C'est pas mal cette petite radio, je trouve. Hein. Ouais, de ouf. Oh putain, mais ça, ici. Ça change des vieilles radios pourries de Houston. Ah bah, totalement, ouais. La question n'était pas pour toi. Je me trouve où le live de Star Thibaut Redac. Ouais, non, mais c'était pour toi. Sûrement, il y avait un Thibaut qui était là. Ah oui, Thibaut, live. Ici, hein. De quoi? La bagnole comparée à la tienne, elle ne tient pas sur ses routes. Ah ouais. Ouais. Bah, la mienne, en fait, c'est un peu un karting, hein. Elle tient un peu partout. Ouais, franchement, je kiffe la conduire maintenant. Parce qu'en fait, elle dérape pas mal, mais comme elle se contrôle très très facilement, bah, du coup, ouais, c'est un karting, quoi. Bah, c'est ça.
Allez, bonne soirée Zaï, gros bisous au costard. Ça marche. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Des bisous, des bisous. T'as vu, j'étais là au live du costard quand il était au resto. Yes, des cas, je t'ai vu, oui, ça m'a fait rigoler. Yo, Adrien, comment tu vas? Putain, mais par contre, ouais, tout à l'heure, ça a son truc là, son 4x4 sport, il avait de la gueule. Hein. Et tu lui as demandé c'était quoi le modèle d'ailleurs? Oui, il m'a dit que ça sortait du concessionnaire, c'était un tout nouveau modèle, et il m'a dit que c'était. Oh putain, c'était quoi le nom? Je crois que c'est un truc avec marqué avec Diabolus dedans ou je sais pas trop quoi. Franchement, il fait rêver. Hein. Ouais, grave. Mais bon, le prix doit faire rêver aussi. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Et par contre, dans ces chemins-là, si tu croises un mec qui descend, t'es dans le mal. Hein. Ouais, c'est pour ça que je fais toujours hyper gaffe quand j'arrive, que ce soit en descendant ou en montant. Hein. Parce que là, ça arrive vite. Hein. C'est dégâts. Le chien, il veut pas me lâcher la grappe. Hein. Un accident est vite arrivé, ouais. Oh putain. Et du coup, Tom, il a dit on se rejoint là-bas, c'est ça? Ouais, on se rejoint au dépôt. Tu vas voir ce drift que je vais faire dans le virage après la Syrie là. Ouais. Rappelle-toi que. Ah, par contre, et du coup, là, ça m'a pas aidé là cette histoire. Enfin, je réfléchissais à ça tout à l'heure. D'où il y a des mecs qui font du bois là, je comprends pas. Il n'y a pas sur l'application de la ville ou quoi que ce soit, au niveau des sociétés là, des pages blanches, il y a marqué nulle part ça. Non, mais ça a l'air d'être une société. Locale. Locale, ouais. Et pourtant, le mec qui conduisait comme un civil, un citoyen. Ouais, non, mais ouais, c'est clair, mais j'en sais rien. Ça ressemble beaucoup après, à une Porsche une Cayenne, ouais. Qui est en test pour rouvrir, j'en sais rien. Mais on peut un peu plus, enfin, ça, ouais. Non, ça ressemblait pas à Cayenne, ça ressemblait plus à au 4x4 de Lambeau, le 4x4 Lambeau là. Salut les copines. Oh putain, mais il m'a retourné sur le. Ah, bon. Ah oui, oh putain, ouais. Bon, une fois que c'est pas que dans tes lunettes. Parce que ça se trouve, on dit que tu conduis mal, mais si ça se trouve, c'est juste parce qu'il se passe des trucs de fou dans tes lunettes. Hein. Ah bah, tout le temps, ouais. Ça se trouve, tu penses que t'es en 5ème alors que t'es en 2. C'est la faute, hein. Ah bah oui, toujours. Hein. Putain, on arrive avant lui. Ouais, ou il a rangé son véhicule, je sais pas. Ah oui, du coup, on peut ranger notre véhicule ici. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Alors, ça, c'est fait. Deuxième étape, est-ce que vous avez visité l'intérieur ou pas? Non, on est rentré que brièvement hier. Ouais, on est rentré devant, ouais. Rentré dans l'appartement. Donc là, c'est les locaux, ouais, les mecs. On s'est arrêté là hier. Voilà, c'est ça, on a discuté ici avec le patron et Danil. Bon, faut savoir un truc. Laissez pas traîner vos affaires partout. Ouais. Parce que. Il y a de très fortes chances, environ supérieures à 92%, pour que là où vous traînez vos affaires, le boss et la DRH aient déjà baisé à cet endroit-là. Ah. Donc personnellement, je laisse quasiment rien traîner. Ouais, on sait jamais. Tout ce qui est objet phallique, quoi que ce soit, j'y accroche pas ma veste. Ah oui, d'accord, ouais. Dans le doute. Genre ça, par exemple, on évite. Ah non, hors de question. Ça... et ça, pourtant, c'est du. C'est du costaud, ouais. Ah voilà, ça y va. Ensuite. Deuxième consigne. Ne dormez pas là. Mais il y a quelqu'un qui squatte là, normalement. Non, c'est pour les mêmes raisons que précédemment. Ah d'accord, ouais. Ici, vous allez retrouver un peu le dépotoir, si on peut l'appeler.
C'est là où vous allez pouvoir laisser toutes les affaires, quand voilà, il y a des un peu tout ce qui traîne. Que ce soit de l'équipement Brinks jusqu'à la nourriture quand il y en a. Là, il reste des huîtres, des cannes, une canne à pêche qui traîne, ça doit être celle de Danny. Voilà, après des petites petits trucs, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, si jamais vous voulez déposer vos affaires personnelles, il suffit de mettre une étiquette à votre nom et ça vaudra pas. D'accord. Salle de réunion, rapide, efficace, l'argent du boss sur la table. Ok, ouais. Et enfin. C'est sympa ce petit truc, hein. C'est stylé, hein. Ouais, on n'a pas, on n'est pas à plaindre. Ouais, ça fait des bons locaux, ouais. Peut-être petit tuto... local, on va appeler le local chill. Oh putain, il est vraiment cool. Ah ouais. On va se détendre, on a déjà fait des soirées. C'est la patronne là-bas. attends. Ça c'est stylé. Non, c'est pas la patronne. Non. Ouais, franchement, sympa, ouais. Non, je déconne. Il est trop non, 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 c'est une blague, c'est une blague, je me permettrai pas. Non, non, là c'est un endroit vraiment chill. Si on fait des soirées entre nous, quoi que ce soit, on va dire un post-réunion, quoi, ça peut partir très vite, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Ouais, bah, c'est sympa, ouais, pour décompresser un petit peu après, ouais. C'est exactement ça. Ah oui, ça fait quand même des bons locaux, hein, quand même. Hein. Bon, normalement, les canapés sont clean. Ok, ouais. Ouais, ils ont l'air d'être neufs. Ah ouais, c'est parce qu'on met à chaque fois une bâche dessus. Ah oui. Yo Hyperion TV. Normalement. Bon, ça va. Bon, le garage, je pense que c'est ok. Ouais, le garage, je viens de lui montrer. Ouais, ouais. Et... lui dire de prendre son service aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ok, c'est bon. Là-bas, Jason. Salut, Jason. Et bonjour. Bon. Ça, c'est le meilleur ami du chauffeur. Du taxi. Ça arrive. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, il garde toutes les clés de nos véhicules. Je sais pas ce qu'on te dire, continue comme ça, t'es super. On va pouvoir sortir super, taxi, croyeur, camion, livraison. Regarde tes vidéos avec le costard. Merci Perion, merci beaucoup. Exactement. Après, pour ramener ton taxi, c'est à lui aussi que tu lui rends les clés. D'accord, ouais. Donc, tu lui ramènes le taxi assez proche de lui. Ouais, comme ça, il vérifie bien, il fait toutes les petites vérifs. C'est très chiant. Il voit une couille sur le moteur, il va t'envoyer chier. D'accord. Okay. Et j'avais lu dans les règlements, je sais pas si c'est toujours d'actualité, comme quoi on a un contrat avec les mécanos et normalement on n'a pas de frais à notre poche. Aucun frais. Tout est pris en charge par l'entreprise. Uniquement bien entendu pour les véhicules professionnels. Voilà, véhicules professionnels. Ouais. Et puis si jamais par contre il n'y a pas de mécanicien disponible, on s'occupe avec la gérance là qui ont des pièces moteurs et après on fait ça en note de frais, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Moi j'ai lu hier, hein, j'ai lu tout. Ouais, non, c'est bien révisé. Moi j'attends toujours ta vidéo avec P1. Coup, yes, voilà. Ça va arriver, mais Hyperion, ça va pas. Juste de l'autre côté, là, vous passez par là. Et, ouais. Ça marche. Que je vous voilà. Ça va arriver, mais c'est juste que bah forcément, voilà, c'est plus compliqué. Je crois qu'il va sortir de l'autre côté. Ah oui, voilà, c'est ça. Zahi, je trouve que t'es trop sous-côté. Je te connais depuis. Je tenais à te donner un peu de force. Bah, merci beaucoup, le chef Mahoud. Taxi personnel. Mahmoud. Vous êtes libre. Alors il n'y a aucune réglementation quant à la modification des véhicules. Sachez-le. Moi c'est pas quelque chose qui m'intéresse, je vous avouerai. Pas de problème de modification, c'est-à-dire motorisation, etc. Ouais, même customisation des. Bon, pas les couleurs bien entendu, mais les roues. Mais ou de mettre des néons en dessous. Ouais, bon après. Chacun, moi je vous avouerai que je trouve absolument aucune utilité. Oui, on est là pour représenter l'entreprise, donc. Oui, bah oui. T'es au taf, quoi. C'est ça, j'ai juste changé de klaxon. On a utilisé jamais. Ça me permet d'utiliser dans des situations bien particulières. Putain.
peux refaire baisser les côtes. Quoi 914? C'était quoi 914? Putain oui, je me dis. Putain oui, je me disais mon téléphone sonne mais... Ouais, moi aussi. J'arrive tout de suite, je pars de Paléto. Vous êtes seul? Ah parfait. Bah oui, on est con, notre téléphone sonne, bah oui. Parfait, parfait. Bah oui. Tout de suite. Et bah allez-y, montez. Allez. Oh! Ça, c'est ouais. Maintenant, je t'ai laissé la place, je suis sympa. Il y a un client OLTL, donc voilà, vous avez pu voir qu'une fois que vous prenez votre service, on peut recevoir des appels, ouais. Vous recevez les appels. Même sans le service, vous allez recevoir les notifications, les messages, et vous allez recevoir les appels qu'une fois en service. Le plus souvent, c'est quoi? C'est des messages ou des appels? Je dirais 60-40 avec une majorité de messages. Ouais. Et souvent, quand c'est un appel et que la personne me dit j'ai besoin d'un taxi, je leur dis bah envoyez-moi un message. J'ai vos soif du mec. Avec votre localisation. Ouais, si c'est pas trop idée. Oui, c'est, ouais, ça, ouais. C'est beaucoup plus simple pour nous. On n'a pas de passe droit sur la route. Ce que je viens de faire, et voilà, tu te fais choper tes baisers. Comme pour tout le monde, la BCSO est clémente, mais. Ouais, forcément, oui, il devait être peut-être un peu plus souple, mais alors, on n'est pas non plus, voilà. Ok, super. Bon, après, en ce moment, ils sont vachement excités, hein. Ouais, ils sont vachement excités en ce moment. Vous êtes pas sans savoir que non loin, il y a un radar. Ouais, il y a un radar dans le coin, là. Je sais vrai que j'ai un petit GPS différent du vôtre. Ah, ça, t'as une application détecteur ou un truc comme ça? Ouais, il bip à l'arrivée d'un radar. Empêche ouais, de prendre, mais. Ouais, vous en achetez un si vous le souhaitez. Et si vous t'achetez ça? Oh, c'est pas très compliqué. C'est. Enfin, il faut. C'est une manipulation pour faire une commande sur internet, je pourrais vous expliquer ça. Ok, ça marche. Ouais, ça marche, ouais. Ouais, j'avoue que c'est quand même pratique parce que quand tu roules toute la journée. C'est ça, quoi. Bah, y'a que celui-là, mais bon, il suffit que tu sois concentré sur ton. Sur ta course, tu passes à 160, bah tu te prends une amende de 200. Ah oui, oui, oui. Ah bah il se l'est pris parce plusieurs fois lui, hein. Oui, il y a un jour, je l'ai pris 3 fois de suite, hein. Ah ouais. Et en plus, en plus, d'ailleurs, on allait au BCSO pour rendre un renseignement, du coup, ils ont dit, bah c'est pas vous qui viennent de vous faire flasher. non mais. Voilà, je vous expliquerai ça. Bon, c'est pas vraiment légal, hein, on va pas se mentir. Oui, bah de toute façon, comme toute application comme ouais, ça. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire, oui. C'est comme quand tu utilises Waze ou des trucs comme ça, c'est pas très voilà. Quoi d'autre? Souvent les personnes, quand elles appellent, ils demandent un taxi, n'hésitez pas à demander le nombre de personnes. Ça vous permet d'aviser si jamais vous avez un appel en même temps, une personne déjà avec vous, que ça vous fait pas de détour. Histoire de rentabiliser les trajets. Ouais. S'il y a deux personnes pour la même course, je fais qu'une personnellement, en tout cas qu'une facture. Je vais pas payer les deux au même prix. Étant donné que c'est une seule course. Ouais. C'est relativement logique. Les frais d'essence, c'est à nos frais, c'est ça? Ouais. Donc, c'est des frais qui sont quand même pas négligeables. Faut le savoir quand même. Parce que l'essence, bah, ça coûte cher, hein. Ça coûte une balle. Et Jason, il nous remet le plein ou quelque chose qu'on lui redonne la voiture? Non. Aucunement. Il nous laisse l'essence avec comme on avait, quoi. Ouais. Les mécanos vous refont le plein. Mais voilà, c'est pas le but. Ok. Et quand tu les ramènes dans le contrat, c'est qu'ils font un entretien complet. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Et... Je te montre tous les trucs, toutes les astuces qu'il faut avoir. Bon, par contre, je sais pas toi, Ward, mais je pense qu'on fera qu'on aille s'acheter des petites fringues un peu plus présentables. Parce que je regardais dans les consignes, ils conseillaient quand même d'avoir des fringues un peu propres, tu sais. Ouais, bah carrément. Je dis pas que t'es habillé comme un clodo, hein, je dis pas ça, mais. Mais tu sais, genre voilà. Ouais, oui. On va attendre. Ouais, c'est vrai. C'est monsieur là-bas qui a appelé. Ouais. De toute façon, hein, ça a une des règles d'or, hein, c'est le client, le roi, ça. Voilà, c'est comme ça. Comme je vous avais dit, via le document que je vais vous envoyer, vous partager pour vos calculs de run, il y a un outil de calcul pour les facturations des clients. Pour faire simple, c'est ça. Oh là 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 là. Ah putain de moustique de merde. Ça va? Ouais, non, ça va. J'ai eu, je crois. Ouais, bah, je crois que oui. Tu sens surtout le visage. Ah putain, il était gros. Tu vas me faire? Ça va. Tiens. Putain, wesh.
Bref, j'en étais où? Tu parlais de l'application, enfin de le truc de calcul pour les courses. Une de merde. Oui, voilà. 50$ le premier kilomètre et 25 les suivants. Ouais, ça je l'ai lu dans le règlement. Sa mère. Ça fait un moment que j'en ai pas pris des comme ça, on le sent là, les années de service public de mes couilles là. Il aurait pas dû être le gamin qui vole la baguette du pain en sortant du boulanger parce que putain il devait ramasser une de ses mandales. Ah putain, il y a une calotte derrière la tête. Hein. Ouais, c'est drôle, moi je dis juste des mots et, enfin, et je me fais ban. Du coup, le ouais, c'est ça, 50 le premier kilomètre et 25 chaque kilomètre suivant. Du coup, si tu veux faire les choses dans les procédures, le client rentre. Mets le point GPS là où il veut aller, tu regardes le nombre de kilomètres et tu prends au rabais. Si ça fait 3,8 km, tu les comptes 3 km. Ouais, d'accord. En moyenne, sachez-le, j'estime la course moyenne à 4 km. Parce que pour moins de 1 km, les gens ne prennent pas le taxi. Et souvent, les gens ont peur de prendre le taxi pour des trop longues distances. Ouais. Donc l'un avec l'autre, j'estime la course moyenne à environ 4 km, ce qui fait une course à... 25$, quelque chose du genre. Ouais, ouais. Donc voilà, je pense que le prix moyen d'une course, c'est environ entre 100 et 150$. Par contre, ça, pour les riverains, j'ai vu que c'était 60, je crois, c'est ça. 60 et c'est fixe, c'est un prix fixe. 60 le kilomètre, mais par contre, c'est pas au rabais. C'est-à-dire que si c'est 3,8 km, ça sera donc 180 plus 0,8 fois 6. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Là, ça va vraiment dépendre. J'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à ça. Je pense que... Alors, c'est ça, ouais, bon, je vais vous le dire, c'est que... On a une sorte de partenariat avec l'animalerie du coin. Ouais. C'est-à-dire que... L'animalerie. Il y a énormément d'oiseaux qui sont munis de puces électroniques. Et on s'occupe de les ramener à des emplacements précis qui sont directement sur leurs puces. Donc, ne soyez pas surpris. Un oiseau rentre dans votre véhicule. D'accord. D'accord. La légende raconte même qu'il y a déjà eu quelqu'un qui a rentré une vache dans son taxi. Ah d'accord. Monsieur, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. La légende raconte aussi qu'il y en a un qui s'est enlevé une côte pour sucer. Ah. On va vous parler de ça. Ah d'accord. C'est incroyable. Vous avez essayé. Bah, pourquoi mettre un taxi, une vache dans un taxi quand on peut simplement monter sur la vache? C'est ça la question. Moi j'ai déjà monté sur une vache, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, mettre le taxi sur la vache, ça c'est encore plus fastidieux. Ah oui, ça c'est, ouais, c'est autre chose encore. Ouais. Alors là, alors c'est pas si fastidieux que ça. Le tout c'est qu'elle survive. Le tout c'est qu'elle survive. C'est vrai. Non, non, on est bien d'accord. On enfin, est parti. Bref. Oui. Allez. Allez-y, monsieur, montez. Ouais, hop, c'est fermé. Oh. C'est pas moi. Bah, allez, la vitre. Oh, enfin, la vitre. Oui, putain, Jason il va encore gueuler. Bon, c'est pas grave. Moi pour le bar. Ouais, c'est un problème. Du coup, derrière moi, deux nouveaux collègues que je suis en train de former. Donc, vous inquiétez pas, on va rien vous faire. Après, il suffit de conduire, hein. C'est aussi ça. Et d'être gentil. Ah, c'est toujours mieux, ouais. Ça pourrait éviter. Des problèmes où je ne peux pas me rendre disponible lorsqu'un de mes clients m'appelle quand il est au fameux LTD supermarché où on peut acheter des boissons et de la nourriture. Ah, c'est le LTD, le supermarché, acheter à manger, l'essence pas donnée. Il est trop fort le mec. Le LTD des serveurs déprimés. Je pense que ça colle bien, on est pas mal. Il y a vraiment quelque chose à faire. Vous avez pensé à peut-être vous lancer dans la publicité? Bah, c'est ce que j'ai pensé, mais bon, à mon âge, je l'ai proposé, personne ne l'a voulu. Ouais, déjà pour faire celle du bar, je pense que ça doit vous prendre déjà beaucoup d'énergie. Ouais, c'est un bon long, on l'a pas fait en vrai, j'ai pas encore réfléchi. Pourquoi à votre âge, si, vous avez si, quoi, 40 ça. Ans non si. Bah, j'ai 80, garçon. Oh, 45. 80. J'ai tiens. J'ai pas survécu jusqu'ici pour qu'on m'enlève des années. Il est marrant. Mais oui, ouais. Si j'ai bossé un petit peu, vous allez me dire ce que j'en pense, le Michel Lange. Si t'as pas assez pour payer, tu fais la plonge. Ah bah c'est pratique, oui. Ah ouais, c'est pas mal, choc, efficace. Ouais, c'est ce que je pensais. Et pas cher. Bon, pas assez. Le problème c'est qu'on a des produits de luxe.
fait pas beaucoup de marge, malheureusement, on a des produits de luxe, donc forcément. Ouais, mais s'il fait la plonge, au final, ça lui revient moins cher. Oui, c'est sûr. Bon, ça va, c'est le bar marche bien. Là. Oh ouais. Ah bah c'est ça, de rouler au GPL. Vive le 14 juillet. Ah ouais, bah rouler au GPL, c'est ça. Hein. Putain, ça c'est les gilets jaunes, hein. Ça c'est encore un coup des anarchistes et des rouges. Des non mais il tourne pas mal de films dans le coin là, Hollywood. Ah bah lui il tourne aussi, ouais. Mais lui il tournait sur lui-même. On aurait dit une écrevisse à qui on enlevait les pattes de gauche. Oui. C'est con, il n'y avait pas de vendeur, je voulais acheter un petit truc et il n'y a pas de vendeur. Ah, on l'a croisé la dame tout à l'heure, elle est partie, elle avait une course à faire. Super, bah moi aussi j'avais une course à faire. Bordel. Et voilà pour moi. Merci beaucoup, comment je vous dois. Attendez, je vais faire la petite facture, je la prépare. Eh bien Sam. C'est ouvert là, du coup là, le bar. J'ai même pas vu. Ah oui, tout à l'heure je crois que j'ai vu. J'en sais rien du tout, mec. Pourquoi tu veux aller où? Bah attends, t'as des cas, on ira après. Hein. Oui, non, plus tard, donc, t'inquiète. Qu'on aura... ouais. Bah attends, je lui demande. De quoi? Je lui ai demandé s'il est ce soir. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'était le patron du bar en fait. Ouais, c'est ça. Ah d'accord. Il est sympa ce bar, hein. Ouais, il est vraiment posé, y'a rien à dire. Quand il est ouvert, tu files ton service, tu vas boire un verre. Enfin, non, franchement, y'a rien à dire. Quand même relativement souvent ouvert, donc. Ouais, et puis c'est bien, t'as de la place, c'est bien placé, j'aime bien. Ça change un petit peu en plus dans le quartier, tu sais, voilà. Nous, on avait la baraque juste à côté, et c'est vrai que c'est pas mal. Surtout que j'imagine que. Enfin, j'en ai parlé légèrement à Sam, je crois, mais il y a le Yellow ouais, Jack aussi. Ah oui! Il sait pas si ça ouvert. Ah oui, le fameux Yellow Jack où tout le monde se tape sur la gueule là. Ouais, c'est ça. Il est génial. C'est une autre ambiance. Ouais. Voilà. Bon, on va finir cette formation histoire qu'on sache qu'elle est là. Alors, je vais vous faire un tour des différents coins où on peut trouver la majeure partie des clients. Ok. Donc là, j'ai activé mon ordinateur. Hop là, tout est bon. À partir de maintenant, depuis la fonction, recevoir les appels. Alors, tout ce que je vais vous dire, c'est des, on va dire, je vais appeler des tips personnels. C'est pas parce que moi, un truc. Ça m'arrive souvent de trouver des clients par ici, que vous en aurez forcément après. Ouais. Mon expérience qui va parler. Ça m'arrive d'avoir souvent des clients quand je me gare par ici. C'est pas très souvent, mais ça arrive. Quand je suis, quand je ramène un client par là, bon, je m'arrête là une petite minute, histoire de jamais il y a quelqu'un sur son décharge dans le coin. C'est jamais. On a le droit de stationner un petit peu avec notre véhicule, du coup. Absolument. Absolument. On est quand même là. Voilà. On n'est pas là pour forcer la main aux gens. Par contre, rien ne nous empêche de rester stationné. Voilà. C'est comme si tu vois un marchand de glace. Ça te donne envie de manger une glace. Oui, tout à fait, bien sûr. Marche, tu prends un taxi. Voilà, ça te donne envie de... Mais du coup, quand tu roules, ils peuvent quand même te demander une course ou... Ouais, t'inquiète pas, okay. Hein, ils te sifflent la gueule, ils te gueulent un coup et... T'inquiète pas pour ça. Sinon, ça arrive que sur toute la route là, depuis l'autoroute, il y a peut-être un oiseau perdu, ça arrive. Ouais. Sinon... Un oiseau route perdu. 68, entre ça, c'est la route du vin, ça, la route 68. Ouais, je sais pas si c'est exactement la 68, je crois que oui. Je vais pas dire des conneries, on va y aller. Pas à l'intersection à gauche. Ouais, c'est ça que c'est, on tourne après à droite et tout ça. C'est très souvent que, après avoir déposé un client sur cette route là, il y en a un dans les parages. Sachez-le. Donc non, sur celle-ci bouche là. À oreille. Non, pas sur celle-ci, après, okay. Respectivement à gauche et à droite de chaque côté. Ok. Il y a des clients qui vont vous demander d'aller dans les différents magasins sur cette route là. Voilà, ça arrive souvent qu'en en déposant un, il y en a un autre qui souhaite monter. Forcément, okay. Tu vois un taxi arriver, le client qui est satisfait, forcément bouche à oreille directement, les gens se disent ah bah ouais. Je m'arrête là. Ça peut arriver qu'il y ait des piafs
J'ai besoin d'aide genre sur un toit typiquement, la situation qui semble être improbable. Il y a plusieurs solutions. Soit monter sur le toit et vous essayez de pousser le piaf. Dangereux, fonctionnel, il faut être motivé. Option faut numéro pousser, 2. Faut pousser légèrement en le collant. Ouais, c'est ça. Ok. Option numéro 2, vous en avez absolument rien à branler. Vous barrez. Vous annulez pas votre appel, hein. Vous annulez pas l'ordinateur, vous avez laissé l'ordinateur. Si vous vous barrez, voilà, ça va annuler votre appel. Votre contact avec le petit boîtier ou la petite puce de l'animal, on va dire, ne marchera plus. Ça dégage. Ok. Et souvent, dites-vous que si il y a un client dans les parages, il y en aura forcément autour. D'accord. Franchement, ouais. La puissance du bouche à oreille, on va dire, est extrêmement forte. S'il y avait un piaf sur le toit, vous décalez un peu, il y a de très grandes chances qu'il y en a un autre qui traîne dans les parages. Ok. Ok, ouais. Et t'estimes à peu près un client tous les combien de temps là ? Franchement, ça dépend énormément. Tu peux avoir des périodes où tu vas en déposer un, t'en reprends un pile à l'endroit où t'en as eu un. Enfin voilà, ça va enchaîner, mais à une vitesse... Y'a personne sur la moto. Rapide, auquel cas tu vois vraiment pas le temps passer et ça bouge pas mal. Ouais, c'est pas plus mal parce que du coup t'enchaînes bien ta journée. Là. Sachant que la solution entre guillemets miracle, ta personne sur ce que je vais appeler le sud, donc les alentours de Sandy Shore, il y a toujours des clients sur Paleto. Entre notre dépôt et l'intersection avec les mécanos, il y a énormément de passages. Et qui dit beaucoup de passages, dit beaucoup de chances d'intéresser quelqu'un pour aller faire une course. Ok. Mais non, si jamais il y a personne, moi ce que je fais c'est que je remonte sur Paleto. Ouais, Paleto c'est sûr que ça bouge beaucoup, ouais. Et des clients locaux là, ils montent uniquement dans ce taxi par contre, hein. De quoi, pardon? Les clients locaux, ils montent uniquement dans les taxis comme celui-là. Alors, je t'avouerai que je n'ai jamais fait de course avec mon véhicule personnel. Parce que je trouve ça totalement moral, presque. Voilà. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils montent dans n'importe quel taxi à partir du moment où tu actives ton GPS. Ok, ouais, que t'es mais, en service. Voilà. Hein. En tout cas, les courses se font avec les taxis non, bien sûr, de l'entreprise. Et toi, tu restes. Ça, c'est ta tenue de travail que t'as là ou des fois tu te mets en tenue un peu plus classe ou quoi que ce soit? Alors, typiquement. Avec les chaleurs qu'on a eues, t'inquiète pas que j'étais en short Marcel, j'en avais rien à branler. Le client est pas content, il dégage au bout d'un moment, on passe notre journée dans le taxi. Ils comprennent pas qu'on a besoin aussi d'un certain confort pour se faire mettre, en tout cas c'est mon point de vue. Par ouais. contre, pour une soirée comme la soirée qu'est Michel Lange avec la vente d'objets, etc. Oui, il a vendu spécialement ouais. pour la soirée, je me suis bien sapé histoire de faire bonne vue pour tous les clients qui sautaient à Michel Lange. Ouais, normal, ouais. Ouais, donc c'est après sur mon ouais, vouloir du moment qu'on présente un minimum, voilà quoi. La tenue correcte, c'est t'y vas pas en tenue de pêche quoi. Ouais, voilà. Super simple, hein. On exagère la chose. Quoi d'autre? C'est pas contre vous toi, avez la mais moindre tu question, voudrais pas une moment. Petite tartine pour étaler quoi? Pour non, étaler moi, un peu plus ta vie, j'ai merdé. Ah oui, tiens, je voulais savoir, j'ai vu aussi là sur l'application là, de la société, les taxis étaient attribués à des chauffeurs. Ça veut dire que nous, on va nous attribuer un taxi avec une plaque d'immatriculation, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est absolument ça. Ça sera sûrement pas fait dans l'immédiat, c'est pour ça que je vais vous dire quel taxi prendre. Ok. Comme ça, on sera pas emmerdé, j'en prendrai la responsabilité, y a pas de souci. Pour moi, le taxi d'un mec qui a quitté l'entreprise, ça posera pas de problème. Ouais. Mais ouais, après chacun son taxi, t'as envie de mettre des jantes sport sur ton taxi. Ouais, c'est toi qui l'entretiens et tout ça quoi. Ouais, c'est pas pour qu'un autre connard vienne passer dans un chemin de terre et te les niquer. Ouais. Je suis en train de réfléchir en même temps, hein, je réfléchis. Donc comme je vous ai dit, hein, par rapport aux courses civiles, si vous avez un appel ou quoi que ce soit, vous faites les prix que vous voulez dans la limite de raison, bien sûr, tant que l'entreprise est gagnante, que vous oh aussi là. Voilà, après moi je fais souvent des prix histoire de fidéliser les clients. Il y a des mecs que j'aime pas, que je peux pas blairer, t'inquiète pas, qui rack.
Ouais, je vois bien que si jamais voilà, t'as quelqu'un qui commande des courses régulièrement, qui est agréable, il y a moyen de t'entendre, de lui faire un petit truc, quoi. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui est absolument irrespectueux. Ah non, la connexion. Parler du trajet, ça m'est arrivé. Oui, bah ça peut arriver. Je vais faire raquer, j'en ai rien à branler. Et tu t'es déjà fait agresser, enfin je veux dire, ouais, agresser ou raqueter ou quelque chose? Pas une seule fois. Vraiment jamais. Et quand tu dis que tu les fais raquer, c'est-à-dire que par rapport au prix initial qui est... Ah non, je fais le prix initial. Voilà, je fais la procédure sans faire de geste ou quoi que ce soit. Ouais, voilà, full price, quoi. Ouais, tu fais juste pas de geste, en fait, tu fais... Ouais, c'est ça. Ouais, bon, je suis désolé, hein, y a le vieux con qui a pété la vitre. Heureusement que t'es un maître. Ouais. À la matière. Donc, voilà, je vais m'empresser de vous envoyer le fichier, histoire que vous l'ayez en visu. Ouais. Ouais. À tout de suite. Je sais plus si je t'avais envoyé mon mail. Merci pour le follow, Hypercut. Okay, ah oui, tu m'as dit. Merci pour le follow Twitch. Ah, attends, il va nous envoyer un truc, c'est ça? Et tu sais pas ce qu'il m'a dit en plus? Qui? Ben Tom, c'est la maison qu'il avait là. Ouais. On avait pas chez dessus, il renouvelle pas le bail. Ah! Pourquoi tu renouvelles pas le bail du coup? Attends, il est dans ouais. Ses dossiers. Bon, en même temps... C'est beaucoup trop grand pour moi. Ah oui, bah tout seul c'est grand, c'est clair. Bah après, de toute façon, pour l'instant, nous, c'est pas trop dans nos moyens, parce qu'on va fumer vite fait le peu d'économie qu'on a. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Nous, là, on s'est pris un petit appart, là, sur le bord, un peu plus bas, là, dans la résidence chalet, là, c'est parfait, hein. Ouais, il m'a dit. Je sais pas, vous devez payer quelque chose comme quoi, 700$. C'est, ouais, 800 balles, 700 balles, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est 800 balles. Donc, tant que je suis seul et quoi que ce soit, je pense que je vais repartir sur quelque chose de plus tranquille. Quartier de la ville. Tant que j'ai un garage pour ma Savestra, mon buggy, je peux le mettre dehors avec une bâche, y'a pas de soucis. Donc, Ok, donc là, du coup, ouais, on est sur la feuille de route là. Alors, ça, c'est une feuille qui est calée sur l'officiel. Celle-là, je l'ai créée pour vous. Elle est calquée du livret. Ouais. Il y a que vous deux et moi qui avez la vue dessus. D'accord. Ouais. Pour vous permettre d'avoir un calque, en gros. Comme ça, vous t'as allez vu pouvoir qu'on rentrer a une feuille chacun, Jerry. Hein. Ouais, il y a Sam et Jerry en bas, ouais, j'ai ouais. Vu. Ok. Du coup, c'est relativement simple. La date, c'est juste pour retracer. Si jamais il y a un contrôle fiscal, ça peut être demandé. Chose qu'on a eu très récemment. Donc les courses civiles, ce sont les courses des mecs locaux. Comme celui qui est juste derrière vous, là, qui ont ouais. Un branlé, qui vont pas vous faire chier. Ouais, c'est les riverains, quoi, ouais. C'est ça. Ensuite, les courses citoyens, bon, ça parle de soi-même. Les convois, c'est pour ceux qui. La Brinks, enfin, ouais, tout ça. La ouais. Brinks, c'est des livraisons. Il y aura. Et les livraisons, c'est quoi? C'est en plus. Ils s'occupent des livreurs pour les livraisons LTD. Ouais, c'est ce que j'avais vu, ouais. Ok. Mais ça, pour l'instant, on n'est pas touché. Après, ça veut des tarifications à part. Et du coup, dans le total, tu rentres quoi? Le prix de la course ou tu rentres le nombre de courses que tu as rentres. Fait? Non. Alors, en fait, c'est une case par course. Ouais. Donc tu rentres la date plus le coût de la en course. En gros, là je suis sur la tienne là. Attends. Ouais. Par exemple, je viens de faire une course à 222$. Hop là, je rentre, je passe à la suivante. J'en prends un autre, 166. Bam. Et ensuite, ça me calcule, tu vois, le salaire avec directement sur la droite, c'est ton petit truc visionnage où tu vas pouvoir tout voir directement. Ça va te faire la somme en fait. Ah okay. Oui, ouais, à droite, il y a le truc de la semaine, ton quota de la semaine. C'est ça. D'accord, ok. Et les petites coches à cocher, là, c'est quoi le truc où il y a marqué payé? Ça c'est tout ça, tout en haut, tu peux lire relativement mal d'ailleurs, en noir sur fond bleu, partie réservée à l'administration. D'accord, ok, ouais, nous on se prend pas la tête, on met la date et à chaque fois on met les trucs et c'est ouais, tout. Quoi. Après, vous pouvez mettre qu'une seule fois la date, enfin pour toute la journée quoi, tu mets la date. Ouais, comme ça, ça sépare, ouais. Ouais, tu t'es pas chier, hein. C'est juste okay. Pour que le boss s'y retrouve.
Et il sache, si jamais il y a, imagine il y a un problème, quoi que ce soit, il y a eu un, il y a un problème avec un taxi, on sait pas qui c'était, on sait pas qui était en service, voilà, tu peux voir très rapidement. Bon bah il y a ce jour-là, il y avait un tel. Enfin c'est un cas particulier, hein, mais bon, même pour un contrôle fiscal ou quoi, c'est pour éviter qu'il y ait abus. Si quelqu'un il va rentrer 50 runs alors qu'on se rend compte qu'il a pas pris son service. Ouais, bien sûr. Bon, voilà. C'est pas mal, ouais. Par contre, le petit graphique en bas avec les performances où ils te mettent le total de courses civiles, citoyens, etc. Oui. Alors, une page que j'ai supprimée également, c'est la page administrative globale qui permet de synthétiser les performances, si je peux les appeler comme ça, ou le travail réalisé de chaque personne. Celle-là, elle ne sert à rien sur la copie que j'en ai faite. C'est juste une partie synthèse qui permet de se situer par rapport au reste de l'entreprise ou quoi que ce soit. Ouais, de toute façon, nous, dans un premier temps, il faut juste qu'on ait plus de quoi noter, voilà, ce qu'on a fait, et comme ça, voilà. Ouais, c'est pour ça que je vous ai transmis ça. En soi, là, vous, j'ai, vu que c'est une copie, vous, si vous voulez, enfin, vous pouvez y changer n'importe quoi. Bon, ça sert à rien parce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Dessus, ouais. Mais c'est au moins que vous ayez la main. Après, tout est c'est bien bloqué avec des permissions sur chaque page pour que vous puissiez pas changer celle d'autres, enfin, des autres. Là, ouais. Si vous avez, là j'ai tout supprimé, hein, je me suis pas fait chier. Voilà, là vous avez le lien et vous allez pouvoir le modifier directement via le lien. Donc. Ouais, non, c'est nickel. Ouais, c'est comme ça, voilà, le jour où on a accès à la vraie, on pourra remettre tous les trucs, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça posera aucun souci, hein, ça durera le temps que ça dure. Moi, j'ai entièrement confiance en vous. À la fin de la semaine, vous m'envoyez, je prends une capture d'écran, j'envoie au boss. Bah, vu que t'as accès en plus, ouais, c'est parfait. Ouais. Oui, non, c'est ça. Ok, ouais, ça pas va. Tiens, ça. D'ailleurs, bah, c'est gentil, ouais, c'est cool. Je viens de me trotter à la tête là. Si jamais il y a un client qui appelle, c'est quoi que tu lui réponds au téléphone? Tu lui dis Tom chauffeur ou enfin, je sais pas. Alors, chose que je réponds, c'est chauffeur BC bonjour. Comme ça, bon. Ouais, c'est pas alors, mal, ouais. Attention, okay. La variante, tu lèves les yeux, il y a pas de soleil. Je dis chauffeur BC bonsoir. Voilà, ça c'est la petite variante. Ah oui, bien sûr, ouais. Mais sinon, non, voilà. Non, ok. Après, ouais, bon, okay. Tu pourrais très bien dire taxi bonjour, enfin tu t'en fous, quoi. Ouais. Moi j'aime bien donner mon nom, moi, quand même. Oui, c'est ce que okay. Je fais quand je fais un appel, par exemple, voilà, Brinks, je dis Tom de la Brinks. Voilà, après ouais. Tu peux dire Tom, enfin du coup. Tu, enfin, ouais, tu peux dire chauffeur BC, Tom, bonjour. Ouais, ça, tu dis Jerry, je dirais chauffeur BC, j'écoute. Bon, ça. Ouais, ça passe bien. Par exemple, après. Ouais. Ok, bah nickel. Quoi d'autre? J'essaie de réfléchir. Je souhaite. J'ai rien oublié. Non, si vous avez la moindre emmerde, à n'importe quelle heure de la journée, n'hésitez pas à poster un message, que ce soit sur l'application ou à m'envoyer un mail. Je répondrai. Salut Azaï, ça va? Oui, ça va Jean-Michel, ouais, et toi? Ouais, c'est bon, je sais pas tout ça. Tu souhaites. C'est qui, c'est un employé, ça? Bon, oh, je vais aller voir. Ouais. Yo, mon copain Lutin, comment tu vas? Eh hey, Lutin, dans pas longtemps, tu vois, si tu continues à être sub là, tu vas avoir ton badge qui va changer après, hein. Tu vas changer ton casque qui va changer de couleur. Alors, vous êtes bien devant le dépôt des chauffeurs, c'est bien ça, ouais. D'accord, c'est Mladen de l'entreprise des mécaniciens qui m'a dit que peut-être il y aurait l'occasion de trouver un travail ici. Oui, c'est possible. Alors, je vous avouerai, je préfère vous prévenir que mon boss n'est pas là. D'accord. Donc, ce soir, ça risque d'être compliqué. Ok, pas de soucis, bah, je pourrais repasser. Oui. Est-ce que vous avez des coordonnées? Bien sûr. Ce serait plus simple. Alors, je vais vous donner ça. Alors, la vie, c'est des patates. Bon. Ah bon? Oui, bien sûr. Il va être alors, quelle couleur? Ah ah! 96-02. Va voir si tu veux, Lutin, sur le mur de la communauté. Tu vas descendre un black. Petit peu dans les trucs. Normalement, j'ai mis la liste des noté. Des alors, couleurs des trucs. Tu vas voir. Topo, il change de couleur au fur et à mesure avec l'ancienneté. Je suis franc avec les personnes. On est très impacté par ce qu'on va appeler la chaleur de l'été. D'accord. Les personnes qui vont profiter soit de la mer ou comme tu veux. Vacances, mais t'as ça ou t'as l'ogive nucléaire, hein, pour la salle. C'est vrai qu'on est en recherche de personnel en ce moment, que ce soit à court terme
Ah non, t'as pas besoin de ça maintenant. Donc, si on peut appeler ça comme un CDD non, ou CDI. T'as pas besoin de ça maintenant. Donc, si vous êtes intéressé, nous, voilà, sachez qu'on est à la recherche de monde. Là-dedans. Et vos coordonnées, si jamais vous avez éventuellement, ce serait mieux. Pourquoi faire? Tu veux un CV sous la main. C'est ouais, bah je peux vous faire ça et vous l'envoyer au public. Vous avez un email peut-être? Oui, bien sûr. Il y a des trucs de l'autre côté. Bougez pas, je vais vous l'envoyer par message. Ok, super. Alors, je vous l'envoie dans la foulée. Pas de soucis. Comme ça, moi, de mon côté, je fais l'intermédiaire avec mon boss, étant donné voilà, qu'il est très peu disponible. Il pourra, sans problème, c'est là-dedans. Avec mes deux collègues à ma gauche, à ma droite, vous passer un badge assez rapidement, étant donné qu'il est très peu disponible en ce moment. D'accord. Et moi, j'assurerai par la suite formation et tout ce qui s'en suit. Sachez que si vous êtes motivé, je vous laisse m'envoyer un mail avec votre CV à l'adresse que je vais vous fournir. Et ouais, bah parfait, ouais, c'est aussi simple que ça. Ok, bah c'est très gentil pour vos informations en tout cas. Y'a aucun souci. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'irai. Ouais, dans un mois, okay, super, ah nice, GTRP. Y'a pas de c'est problème. Sur PC, ouais, c'est sur PC, ouais. Bonne journée. Bonne journée à vous, oui. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Ah bah tu vois, en plus, c'est celui qui a la même voiture que toi là. Du coup, je sais même plus ce qu'on disait. On disait que t'avais une belle casquette. Je crois que je vais la garder juste quand j'aurai des courses pour des mecs de la BCSO. Ouais. C'est ça. Mais quand j'y repense, c'est vraiment un trou de balle, lui. Hein. Ah bah, ouais, je veux dire, c'est un peu con, hein, parce que je veux dire, des casquettes, t'as du matériel où il y a écrit, enfin, des t-shirts, des trucs où il y a écrit police dans le commerce. C'est pas pour ça qu'on va te dire enlever son t-shirt. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, ça devait être un mal baisé. Ouais. Ça, ouais. Du coup, on en était à quoi? Oui, on a parlé de l'application. Du coup, ouais, après, tu disais que tu t'en occupais toi. C'est pratique. Mais c'est pratique, en tout cas, merci hein, d'avoir fait. Je sais que tu nous as bien aidé là-dessus. J'avoue. T'as pas de client RP sur PS4? Ça existe pas. Ouais, non, ça existe pas. Peut-être que ça serait développé, hein. Ça serait bien qu'il développe un truc, mine de rien. Attends, mais il est con lui, il me donne son numéro, je lui envoie un message avec mon adresse mail, il me dit vous avez dû vous tromper de numéro. Ah. Ah d'accord. Putain, ça a l'air d'être un ingénieur. Alors ça se trouve je me suis peut-être trompé de numéro, mais il avait pas l'air de compliqué. Comment il s'appelait? 9602 Driss Black. Ah oui, Driss Black. Bon, au pire, hein, je lui enverrai un mail, hein, je devrais la trouver. Ouais. Bon, c'est au pire, j'irai voir Mladen s'il l'a vu, hein. Il la connaît peut-être. Bah écoutez, je pense qu'on est. Tu veux la truc pour la peinture bon. Ouais, on a fait le tour, je crois. Bah ouais, dans l'ensemble. Et du coup, ah oui, si tu voulais nous montrer quel véhicule on pouvait utiliser si jamais on voulait. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Attends, j'étais. Le temps que je comprenne. Et là, du coup, comme on est habillé, ça passe bien ça, pour faire des courses. Enfin, lui, il est peut-être un peu dégueulasse en verre, non? Ouais, on peut le dire. Moi ça passe par exemple, non? Ouais, largement. Alors, il est dégueulasse en vert. Ouais, non, bah vous prendrez chacun un taxi de réserve. Je suis en train de regarder. Ouais, vous prendrez chacun un taxi de réserve. Vous prendrez peu importe en fait lequel. Normalement pour les taxis de réserve. Ouais, faut prévenir. Il faut prévenir, ouais, c'est ça. Après, là, exceptionnellement, sachant que c'est votre taxi, à la limite, bon, si vous avez la motivation et que vous partez sur une grosse session, vous pouvez le noter. Ok. Puisque ces taxis de réserve, ils servent à quoi? C'est au cas où il y a un taxi qui achète et qui est pas de mécano. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Ton taxi, il est défoncé ou quoi, enfin, tu te chopes, je sais pas, ou alors. Tu vas le caler, je sais pas, tu vas le mettre en merde le temps qu'un mécano se rende dispo. Ouais. Parce okay. Que tu sais que bon, tu te dis, je vais pas aller claquer un moteur. Yo Zozo, comment tu vas, la forme? Connaissance en mécanique, t'as pas envie de mettre les mains dans la merde pendant une demi-heure pour le réparer. Ouais. Bon, tu le laisses de côté, tu prends pas de risque, et, tu prends un taxi de réserve là, pour assurer cette fonction. Ouais, ça dépanne, ouais. Ok. Ça dépanne. Ok, ouais, ça marche. Si jamais. Faites hyper attention parce que Jason, si
aller tout le temps dans le garage d'entreprise, jamais dans véhicule. Ouais. Dans véhicule, oui. Il va sortir une remorque pour les camions de livraison. Ah oui, d'accord. S'il y a une remorque, alors ça, je vais vous le dire. Que si jamais vous sortez une remorque, il va falloir sortir un. Comment ça s'appelle ? Un truck, non ? Non, un camion non, de livraison. Non, pas un camion de livraison parce que venez. Il y en a un là-bas, on a fait exprès. Des fois, il y en a un qui vient se garer là de temps en temps. C'est en gros un semi sans l'armoire quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est la cabine quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça va, super. On a rangé un. Super là, ta vidéo, merci beaucoup Zozo. Comme ça, quand on a ce problème là, parce que si l'armoire ouais. Se retourne là-bas ou quoi que ce soit, on peut pas sortir de taxi. Ah oui, oui, ouais, bah oui. Ça s'appelle un packer, je crois. Ah oui, il y a pas mal de trucs dedans, ouais. Ah oui. Ah, c'est con ça. Ah. Bon bah. Et du coup, il y en a plus qu'un, je crois. Ah bah ouais, je sais pas. Il veut pas rentrer, c'est ça ? Ouais, il y en a encore deux. On va aller savoir pourquoi il est endommagé, il a dit bien. Ah. Ok, d'accord. Attends, il me répond l'autre. Il y a deux flics maintenant. Bon, tu fais quoi de boule là sur GTA ? On a été recruté en tant que chauffeur. Ah d'accord. Bref, tant pis, il a dû se gourer. Il a dû se gourer, je lui enverrai un mail. Du coup, voilà, sachez que Packer, voilà, si jamais ça vous arrive si en journée, vous sortez. Ouais, si, ouais, au moins on et sera. Après, du coup, la remorque, faut la ramener du coup devant. Non, 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 vous la calez derrière sans problème. Après, Jason, il gérera ça dans la journée. Ok, d'accord, la mettez là-bas sur le parking de derrière. Ok. Ouais, c'est lui qui s'occupe de toute la logistique derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Faut pas non plus bloquer l'accès la boîte d'intérim qui est juste derrière là pour ceux qui viennent prendre le job de vigneron ou ouais. Je sais plus, non, c'est peut-être pas vigneron. Non, c'est boueur, je crois, derrière. C'est boueur, c'est ça. Ouais, c'est ça. Yo Boon, comment tu vas ? Bien le soir, monsieur, bien, bien. Je vais aller le dégager, je vais aller le mettre là-bas, il a rien à foutre là. Ouais. Ok. Bon bah, let's go. Vas-y, go. Vas-y, vas-y, vas-y. Je te rejoins derrière, du coup. Ouais. Oh putain, ça c'est. Ah oui, ça c'est du klaxon. Hein. Toujours activé. Ah, excuse-moi, je t'ai pas entendu, Tom. Non, c'est bon, c'était juste de savoir si votre radio était bien allumée. Ouais, ouais, on est activé. Pensez à souvent vérifier l'essence, dans le doute. Quand on prend un client, ça le fait toujours mieux de ne pas avoir à passer. Oui, oui. Oui, oui, c'est clair. Et du coup, il est où le mec à récupérer ? Bah là. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez m'emmener dans les montagnes ? Ouais, je sais, c'est un peu chelou, mais c'est juste que j'ai ma moto là-bas et du coup avec votre véhicule, c'est possible. Oui, y a pas de souci, vous pouvez ça monter, allez-y. Alex, Axel, Axel, Alex, ouais, Alex, on est pas mal. Fenrir, là on est ouais, bon. Ouais, ouais, Sam, yes. Bien. Sam, comment vas-tu ? Je te ça croyais mort. Bah non. Attends, tu m'as dit que tu voulais qu'on te dépose où ? Ah oui, je peux me servir de ton GPS ? Dans les montagnes, vas-y. Non mais c'est pas bizarre hein, comme demande de course, hein. Je veux dire, vous pouvez très bien aller là-bas. Hein. Ouais, ouais. Faire une petite balade. Ah, du coup, vous vous connaissez en fait ? Bah oui, j'avais croisé à la pêche un soir et puis on avait bien rigolé. Ah d'accord. Si je dis pas de conneries, c'est dans ces eaux-là à peu près. Tu sais que j'ai acheté le jeu à cause de tes lives. Ah, nice Boon! C'est bon ça! Yo Pétou! Pétou 93, salut Azaïk, comment?
Ah tu ouais vas, ça fait plaisir, un petit GTA RPG. Bien ouais, sûr, ça fait ça plaisir, va, fait tout. Déchets, t'es arrivé tard. Si on a déjà GTA, il coûte combien le RPG? Il s'est gratuit le RP. Ça coûte rien du tout, Nisa, t'inquiète. Ciao Zozo. Gratuit téléchargement, quoi. Gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Ça arrive, hein. Ah, ouais, c'est un client, faut télécharger 5M, Nisa. Ouais, on va dire que ça arrive même au meilleur. Non, en plus, je l'avais pris, je sais pas, 3-4 fois ce saut-là. Impeccable. Puis là, bim. Ah, coucou. Et du coup, on va bientôt pouvoir s'en retrouver à la pêche en plus, ça arrive bientôt. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, le mieux, ce serait que je me trouve un vrai travail. Ah oui. Ouais, t'en as toujours pas trouvé? Bah, disons que j'ai. Non, non, en vrai, non. Non. Je regarde, mais. Vous êtes passé sur de la pêche en semi-pro, quoi. Ah, bah là. Ouais, on peut dire ça, sauf que le problème, c'est qu'au bout d'une heure, j'en ai marre. Du coup, bah. Ouais, c'est vrai que c'est sympa, mais après, ouais, à la longue, je veux dire, on est là-bas, c'est chiant au bout d'un moment. Ouais, voilà. Et puis du coup, bah, je prends ma moto et je vais dans les montagnes et je me fracasse. Et puis la boulette, ouais. Voilà. Prends le chien, faut sortir de là. Ah, la vie à décès. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est bon, t'as toujours ton problème avec les gonzesses ou... Mon problème avec les gonzesses, c'est-à-dire... Ouais, tu sais, ok, merci. Les nazis, les féminazis, ouais. Ah, les féminazis. Bah, en théorie... C'est ah, j'aime payer le serveur avec plus de contenance, mais puis, pas de PNJ. Ouais, non, clairement. Ah bah, même là, moi je suis serveur où il y a les PNJ, on est sur du 200 slot. Hein. On est sur du 200 slot. Hein. Donc, ouais, là, vas-y, mollo, fais pas comme moi. Moi personnellement, je préfère 5M. Ouais, je préfère 5M. Yo, loulou! 5M, sur des gros serveurs comme le mien où il y a 200 slots, c'est très très bien. Ah! En attendant la BCSO, c'est ça? C'est ça. Ouais, ouais, enfin on verra si on rentre à la BCSO ou pas, mais ouais. Parce qu'au final, on a croisé quelques-uns là, ils m'ont un peu saoulé quoi. Ah bah, ils ont pas inventé le fil à couper l'eau chaude, ça c'est sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bah, non, j'ai enlevé ma casquette pour conduire, mais j'ai une casquette verte avec écrit shérif dessus, enfin, genre un truc bidon que tu trouves dans les magasins de souvenirs quoi. Ouais. Le mec, c'est quoi ton métier là, on est chauffeur? Il pose une question, il dit alors par contre votre casquette vous l'enlevez tout de suite, vous avez pas le droit de la mettre, vous êtes pas shérif. Ah bah bien évidemment qu'on est pas shérif. Ah ouais, quand même on en est là. Et bah tu sais quoi, la prochaine fois qu'on me dit un truc aussi con, tu leur demandes la politique économique menée par Kim Jong-un. Tu leur demandes si elle est cohérente ou pas en fonction de sa politique dictatoriale. Tiens, tu leur poses ça comme question. C'est vrai qu'il y avait ça, puis il y avait l'autre aussi, là, il y avait un vieux aussi, on était parti venu poser une question, on le faisait chier, ouais. Alors qu'on lui posait une question sur le recrutement, ça lui cassait les couilles, quoi. Yes. Du coup, allez. Bah, j'ai eu 2-3 personnes qu'on a croisées qui étaient vraiment gentilles, hein, par contre, mais c'est vrai que, bah, du coup... Stop. Elle est juste là. Ah bah, voilà. Mais bah, allez-y, continuez, excusez-moi. Mais du coup, ouais, on a vu 2-3 personnes qui étaient gentilles, mais on en a vu vraiment, c'était des cons, quoi. D'accord, et du coup, comment ça se passe? Ça vous a un peu refroidi Bah, je sais pas trop, mais bon. Disons que pour l'instant, on va commencer à faire un peu de taxi et puis on verra bien quand. Ouais. Bon, clairement, ça m'étonne pas. Un peu plus de 4 km, je vais tenter quelques 4. Je viens de te faire un don de 5 euros à Jaï, tu gères. Ah, merci beaucoup, Pétou. Merci beaucoup à toi. Tiens, je te fais la petite facture. Des bisous, Pétou. Des bisous à ton frère, ton frère, ton fils, je veux dire aussi. Ton fils qui est en vacances aussi, je crois, toujours. Comme ça, hein. Ah ouais, bah, de toute façon, on peut pas ça pour l'argent. Ah bah là, clairement, tu fais pas ça pour l'argent. Là, pour... Ah bah non, là, c'était pour nous, c'était l'occasion vraiment voilà, de permettre de découvrir un peu les gens, découvrir un peu le secteur, quoi. D'accord, parce que vous aussi vous venez d'arriver. Oui, on est arrivé quasiment en même temps. Parlé, c'est l'ami que je recherchais. Ah, c'est lui! Eh ben oui! C'est lui! Mais moi je savais pas qui me cherchait, moi en fait. Hein. Bon, un jour j'étais au concessionnaire, j'achetais ma voiture, puis je vois un mec qui arrive et tout, et il commence à parler, je me dis putain, mais qu'est-ce que tu fous là toi? Et ça faisait, je sais pas, une semaine à peu près après que je t'ai dit que je cherchais, que j'ai retrouvé en tout cas. Tu devrais jouer au RP si tu joues avec lequel client? Avec 5M, moi je joue avec 5M déjà. Son pote, mais MDR, il a même pas prévenu qu'il venait quoi.
C'est ça. Bah ouais, mais j'avais aucun moyen pour le prévenir, c'est surtout ça. Bah, du coup, je me suis tapé tous les hôpitaux, les commissariats, les dépanneurs. Je me suis tout tapé. À la recherche de l'ami perdu. Ah bah c'est ça. Puis en plus, moi en arrivant, en plus en faisant mes papiers à la BCSO, ils m'ont dit: ah bah attendez, vous êtes monsieur Jerry machin, il y a quelqu'un qui vous cherchait hier et tout ça. Je fais: ah bon, bah qui c'est qui peut me chercher ici quoi. Généralement, quand quelqu'un vous recherche, ça sent pas bon. Ouais, bah ouais, c'est ce que je me disais, bah comment ça, personne me connaît encore. Ah non, bah écoute, c'est bien que vous soyez retrouvés tous les deux. Moi je préfère Adastra sur HMP. Et puis vous bossez ensemble en plus. Bah ouais, puis même on s'est même pris, une coloc, on s'est pris un appart ensemble, comme ça c'est tranquille. Puis on a toujours bossé plus ou moins ensemble donc. Vous êtes le duo de choc. Ouais, bah moi j'ai bossé pendant 2 ans sous ses ordres. C'est beau. Eh ouais. Je connais ça, c'est pas mal. Bon bah allez, on va y retourner. Bon bah bon courage hein, pour la moto. Hein. Ouais bah là, je pense que, attendez, il est 22h40. Ouais, dans 20 minutes je me retrouve encore à l'hôpital. Ça marche, bah tu m'y appelles hein. Voilà, on repassera. Sans problème, et puis je sais pas, après si vous faites chier, envoie-moi un message ou je sais pas, de toute façon prend encore un petit moment. Ça marche, j'ai pas de soucis. Enfin, bon, voilà. Bon courage. Allez, vas-y si tu veux. Allez, zou. Ah, ah bah oui, bah. Bah même pas 20 minutes, hein. Même pas 20 minutes. Ah, bordel, j'en ai marre. Ah, ma vie est à chier. Je t'ai remis le dépôt. Bon, c'est bon, la course est terminée, chef, on rentre. Je suis parti voir le télé parce que j'ai une course à faire, mais pas passé. Putain, c'est okay, super, c'est super les lumières là au-dessus du taxi. Ouais, t'as vu? Ah pardon, je suis arrivé. Et ouais, de toute façon, au final, on avait terminé, non? De quoi? Oui, on avait terminé, tout est bon. Ah, ok, oui. Ça marche. Bon, si vous voulez prendre vos services, si vous voulez. Alors, vous avez aucune obligation. Vous avez envie de faire autre chose, quoi que ce soit, faites votre vie. D'accord, ouais. Ok, ça marche. Putain, ça roule ici. Hein. Ok, ça marche. Bah, du coup, ouais, on va rentrer au dépôt. On va se prendre un taxi chacun, je pense. Et puis, on va commencer à bosser un peu. Ouais, carrément. Bon, bah, c'est sympa quand même cette histoire, mine de rien. Attends, bah, du coup, je vais remplir le petit feuillet. Eh oui. Bah, du coup, alors lui, c'est un mec très spécial. Hein. Dans mon répertoire, je l'appelais le gay psycho. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il est gay et psycho? Bah, je sais pas s'il est gay, mais il m'a parlé de choses bizarres, et puis psycho parce qu'il parlait vraiment de choses très bizarres. Mais c'est pas lui, je crois que tu m'en avais parlé, un mec bizarre un peu. Bah je sais pas, je t'ai parlé d'un japonais qui venait du Japon, mais qui ne sait pas parler japonais. Ah bah on l'a croisé, il y en a un l'autre fois, le japonais, il parlait pas japonais. Ouais, non mais lui il a vécu quand même 24 ans au Japon, il avait des parents adoptifs japonais, mais il a jamais parlé un mot japonais. Ah bah ouais, d'accord. On est sur un bon truc quoi. Ouais, là c'était du lourd. Ah putain, c'est ça. Vas-y, tu t'en rappelles, tu quoi? Tu t'en rappelles dans Taxi 1, mais les deux chauffeurs de taxi chinois. Ah oui. C'est vrai dans Taxi. Ah puis hésite pas. Il changeait avec le coffre. Là t'as une petite application, la fonction 1. Ouais. Qui permet de rechercher les locaux. Ah oui, je sais pas ça. C'est Merde, c'est dans quoi? La fonction 1. Qu'est-ce que je veux dire? Attention! Attention quoi? Pourquoi tu dis attention? Oh, c'est mes lunettes, je crois. Bah y'a rien, moi je suis arrêté tranquille, là je bouge pas. Ouais, non, je vois des trucs bizarres. Je crois que c'est l'anesthésie de l'intérieur qui me... Alors attends, c'est dans quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte là? C'est bon, t'as trouvé la fonction 1? Non. Communément appelé la F1. Ah oui, comme, comme les voitures de course, ouais. Ouais, voilà. Ah oui! Voilà, et puis t'actives ton petit ordinateur du coup. Et c'est là que tu fais tes factures aussi.
Initialiser. Déplacez-vous. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ah, c'est bien foutu, ouais. Pourquoi il y a quelque chose, c'est mal placé? Mais c'est ouf quand même que des fois on a des mouettes qui viennent et tout ça, là. Ah bah c'est le zoo, hein. Ouais, d'accord, ouais, la fonction F1 sur le téléphone, c'est pas mal. Tout se fait, c'est la modernité. Ouais. Par contre, regarde la connaissance, parce que je crois qu'on était pas hyper bien quand on est parti au final. Ah non, on est bien, là, on est aux trois quarts. Enfin, un peu plus de la moitié, on est. Merci beaucoup, King Funk 1995, pour le don, merci beaucoup. Excuse-moi de pas avoir vu tout de suite. De quoi? C'est un réservoir de combien de litres, ça? Ah, je sais pas du tout. Merci beaucoup pour le don. Oula, il se passe des trucs. Attends. Il y a un truc. Est-ce qu'il y avait des trucs qui se disaient plus haut là? Lutin, tu te rappelles les deux chinois? Ça, j'ai vu tout ça. Ok, j'ai vu. Ça, c'est bon. Hop. Si tu veux un PC gamer qui fasse tourner correctement GTA 5. En occasion, tu peux en trouver. Oui, il faut pas une machine de guerre, hein, pour faire tourner GTA 5, les copains. Bah, du coup, si la légende raconte qu'il y a des mouettes et des machins, moi j'aimerais bien ramasser une vache, hein, c'est rigolo. Je mettrai ça sur mon Instagram, ça fera des vues. Ça, tu mets une. Par contre, elles avancent pas beaucoup, hein, les voitures. Hein. Les bagnoles là, les taxis? Ouais, elles en vont ce moyen. Ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai pas forcément essayé de la pousser à fond. Mais... Bon, elles avaient l'air d'aller quand même. Ouais, non, enfin ça va, mais dans les montées, voilà. Bon, après, c'est correct, hein, je veux dire, pour ce qu'on en a besoin pour le boulot, voilà. Oui. De toute façon, si on va trop vite avec les locaux de merde là. T'es arrêté au feu là? Ouais. Tu sais que t'es en plein milieu là? Ouais. Pas de trace du coup. Ouais. Le mec il veut faire bien s'arrêter au feu, il s'arrête en plein milieu de la route. Non mais c'est parce que la voiture qui était derrière nous, elle faisait très voiture banalisée. Ah ok. Enfin qui sont passés d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, ils ont grillé le feu d'ailleurs. J'ai pas fait gaffe. Ouais, elle faisait. Ah! C'était des boîtes aux lettres, ça. Non, c'était lunettes. Ah, ok, c'est des lunettes alors. Ah, ouais. On a quand même bien freiné. Hein. Ouais, c'était pour éviter tes lunettes. Oh putain. J'espère que Jason il va pas nous casser les couilles. Hein. Alors là, j'ai un léger. Ah bah! Il a planté, il est où lui? Il est où ce con? T'étais alors, passé où? J'ai pas tout compris. Moi j'ai compris que. Il faut pardonner à Jason quand t'es dedans. Oh putain! C'est quoi ce truc? Hola, que tal? Yo Nathalie! J'ai perdu mon doigt. Oh putain! Y'a un petit problème là! T'es là, Tom? Je crois qu'il est occupé. Oh putain de merde! Ah bah là, il est bien rangé, c'est bon! Mais il s'est passé quoi en fait? Jason il l'a rangé là, t'étais dedans? Mais le con de Jason, eh! Tu
lui as parlé à Jason Ah non, non, je vais pas parler moi. Je suis juste descendu pour que. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Et toi, tu lui as parlé, toi? Ah non, non, moi j'ai rien fait. Ah bah moi, d'accord. Moi j'ai fait quelques tours dans les nuages et puis je suis revenu ici. Ah bah. Bon bah on va voir. Et par contre, c'est problématique parce que c'est un taxi de réserve quand même. Tom, t'es radio? Moi. Tu m'entends, ouais. Excuse-moi. Ouais, on a eu un petit problème avec Jason. Ça. Bah Jason, il a décidé de ranger la voiture, le taxi, ouais. Mais de l'autre côté de la rue, et en mode ukulélé, tout ça. Ouais. Bah nous non plus, on n'a pas trop compris, en fait. Si tu veux, on est tous les deux dans le taxi. J'étais en passager, et Jason, je crois qu'il n'a pas apprécié que je sois en passager, au moment où Jerry lui a mis le taxi devant lui. Ok. Et du coup? Bah du coup, il a fait un petit tour dans les... Du coup, il s'est retrouvé de l'autre côté de la rue, dans un truc. Bah en fait... Zone. Non. Non, la voiture avec avec Sam dedans. Merde. Ok. Bah tu veux venir voir? Bah écoute, là je peux pas trop, mais... Bah attends, je te prends une photo. Allez, prends une photo et envoie lui, ouais. Parce que là, du coup, le taxi de réserve, il est dans la réserve, quoi. Putain, le truc. Ça va, Nathalie, ou quoi? Est-ce que... Tu veux que je prenne une pause devant, comme ça Ah bah c'est bon, t'es renvoyé avec. Ah bah d'accord. Putain de merde, oui. Ouais, on n'a pas compris ce qu'il a fait, Jason, hein. Oui, et c'est juste la rue d'en. Enfin, c'est en face du dépôt en fait, si tu veux. Il est vraiment dans la réserve. Ah bah ouais, là ouais. Je savais pas qu'on avait une réserve de l'autre côté de la rue, quoi. C'est la première fois que tu vois ça, du coup? Ah, absolument. Jason, normalement, il est sympa, il fait bien son taf. Du coup, il faudrait peut-être que. Faudrait peut-être que tu le stipules, Sam, pour le mettre sur l'application de la société, non? Qu'on a eu un souci avec ça. Ouais, il faudrait, ouais. Si tu peux, la plaque. T'arrives à. Ouais, on va récupérer la plaque. La plaque là. Non, on peut la récupérer, la plaque. Et puis, tu le marques sur la truc, sur l'application, comme ça. On dit qu'avec ce véhicule là, on a eu un souci avec Jason, et puis voilà. Ouais, mais attends, comment tu veux récupérer la plaque là? Bah, là, il y a le numéro qui est attribué, de toute façon. 555 machin, tu regardes à qui appartient ce truc là. C'est un taxi de réserve. Ouais, mais y a pas les plaques dessus. Pas besoin de l'un de vous deux pour moins de 5 minutes. De quoi? Besoin de l'un de vous deux pour moins de 5 minutes. Ouais, bah vas-y, j'arrive. Au niveau de... Bah, j'arrive, j'en prends un dans mon buggy. C'est juste pour faire un aller-retour. Attends, tu nous rejoins là du coup? Ouais, c'est juste pour que si quelqu'un peut venir avec moi histoire de faire un aller-retour. Allez, ouais, check quelque chose à l'enseigne qui nous fait les ventes de gros. Je regarde si je peux faire les livraisons. Ok, ça marche. Ça, bah tu verras le taxi, mais par contre, je crois que ça va être compliqué de récupérer la plaque. Bon, on a le numéro de téléphone qui est dessus, mais après, je suis pas sûr qu'il soit attribué à quelqu'un, quoi. Non, c'est. Un vieux proprio. Et au pire des cas, tu veux appeler un dépanneur, voir s'il veut pas la tirer ou... Casse-toi de là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va exploser. Ça prend feu. Ah bon? Oui. Regarde, tu vois pas que c'est illuminé dedans? Ça va prendre feu, là, ça va exploser. Non, je crois que c'est tes lunettes, toi. Non, regarde. Le machin est en train de prendre feu, là. Non, c'est pas mes lunettes là, je crois. Hein. Ça sortait bien de. J'ai dit quoi? Hein? Putain de merde. Fais gaffe, apparemment ça prend feu d'après Jerry. Recule. Tiens, bah. Ouais, ça prend plus feu là?
Il y en a un de vous deux qui peut monter, bizarre, quoi. Il y en a pour 5 minutes, je reviens. Bon, tu peux en prendre un autre, hein, du coup, hein, si jamais vous voulez prendre ça marche, service, quoi que ce soit, il n'y a pas de soucis. Mais faites bien gaffe. Bien gaffe d'être sortis les deux avant de rendre le taxi à Jason. Donc vous mettez le taxi vers Jason, vous le sortez, vous allez le voir et vous lui demandez de le ranger. Dans le coup, il faudra que t'as pris une photo, c'est bon de toute façon, Sam. Ouais, j'ai une photo, ouais. Les Omen HP sont pas mal. Ouais, ils font, c'est pas mal ce qu'ils font. Peut-être que c'est un stress du boulot, j'en sais rien. Ce sera l'occasion de... J'arrive deux secondes, les gens, je me mute deux secondes. Intéressant. Je me mute deux secondes, les gens, j'arrive. Je vais juste faire un truc vite fait et j'arrive.
Et re les gens. Alors, la config de Azaï est dispo dans la description de presque toutes les vidéos. Exactement. Exactement, mon petit code barre, il est là. Alors, oublie pas le thé, Aza, mort de rire, je suis trop partante. Ah oui, le bubble tea, oui. Oui, le bubble tix. T'es pas parti bosser du coup? Non, j'étais dans mes pensées. Ok, ça marche. Moi, je vais vous laisser. Ok, bah merci beaucoup hein, en tout cas d'avoir pris un peu de temps sur toi. Non, c'est normal. Si vous avez. Donc, vous m'envoyez un mail si vous avez la moindre question. Ouais. Comme je vous dis, il y aura beaucoup de changements, surtout à partir de la semaine prochaine quand la DRH reviendra. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il nous a dit le patron. Il nous a dit qu'elle revenait dans une semaine, mais lui pas avant 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, elle sera là, donc ça sera beaucoup plus simple pour gérer. Bon, y a pas vraiment beaucoup de contraintes au fait qu'il soit pas là. Mis à part le fait que, niveau de livraison, on pénalise un petit peu le LTD. Et il est obligé de prendre des appels, des vols assez tard pour venir quand il peut, pour faire une livraison assez rapide. Et que, au niveau des salaires, normalement, il doit nous voir pour pouvoir aller à la banque et nous les donner. Et là, il fonctionne différemment, c'est que il met des enveloppes dans nos casiers en envoyant un mail pour dire voilà, vous avez votre enveloppe qui correspond à votre salaire. D'accord, voilà, d'aller la récupérer, oui. Ok, pas de soucis. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Quelque chose que je vous ai pas dit, c'est que la radio reste un outil professionnel. Oui, bien sûr. Donc, oui, bien on sûr, raconte oui. pas sa vie dessus. Mis à part, bien évidemment, quand on est que deux dessus. Oui. Deux ou trois, ça reste encore jouable. Voilà. On n'est pas une entreprise vraiment exigeante où on va dire, je sais pas, Tom Borgeri, je prends la course, fin de conversation. Non, c'est à la cool, mais c'est pour le bien de tout le monde. Si on est avec un client, c'est jamais plaisant que l'autre raconte sa vie, sinon oui, bien sûr, normal. Ouais. Ah, bah oui, c'est clair. Ouais. Ça, c'est de toute façon, faut savoir un professionnel. Ouais. Savoir vivre en équipe. Donc, c'est la seule chose. Oui, bah normal, de toute façon, on est la vitrine de la société, donc faut savoir, voilà. Exactement. Moi, ce que je fais aussi, c'est que, bon, là, je comptais en faire un, mais étant donné que je suis relativement fatigué, je vais pas aller prendre le risque d'aller faire un convoi Brinks. On fait un convoi Brinks, on l'affirme à tous. Et soyez pas surpris, on prend l'habitude de saluer Apu, qui est le vendeur. Quand on rentre dans une supérette, quand on en ressort, ça vous permet à vous de savoir que tout se passe bien. D'accord, ok. Voilà, vous le savez, Apu, c'est le vendeur de supérette. D'accord, ok. Moi, okay. Je sais plus, 7 frères, je crois, sur Blade County. Ah, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Ok, ça marche. Voilà, c'est à peu près tout. Ok, ça marche, bah du coup, bah bonne soirée à toi du coup. Ouais, à vous aussi. Si jamais vous avez l'occasion, si des personnes sont intéressées pour éventuellement rejoindre l'entreprise, on prend les coordonnées. Donnez mes coordonnées. Allez, pas donner celle du boss, donnez les miennes, vous gagnerez du temps. Ouais, bien sûr. Et je traiterai ça après. Ouais, bah de toute façon, il nous l'a dit hier qu'en ce moment, voilà, comme il est vachement occupé, si on avait quelque chose, on va y aller avec toi ou avec Dany. C'est ça. C'est exactement ça. Ça marche. Eh ben écoute, merci pour tout et puis bonne soirée à toi. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Bon courage. Ouais, tu viens avec moi, Dumbledore. On va aller t'acheter des fringues. Ouais. Carrément. Ouais. Bon, on y va à pied, hein, si on passe. Bah oui. Pourquoi Dumbledore? Parce que c'est un clodo, Dumbledore. D'accord. Je pense que c'était par rapport à la voiture. Ah non. Ici, il y a du potentiel, hein. C'est dommage qu'il y a pas mal de trucs qui sont fermés. Mais c'est clair. Ah, un petit coup de rafraîchissement là sur les devantures, ça pourrait être sympa. Ah bah, totalement. Hein. Puis regarde, là, il y a marqué BR Hardware. À mon avis, niveau hardware, ça fait longtemps qu'ils sont plus à la page. Hein. Putain, tu m'étonnes quoi. Eh, pas mal la petite bicoque en face là avec en bleu là. C'est vrai qu'on n'a pas regardé ce qui était sur l'intérieur l'autre fois. Ouais, c'est en face. Pas trop mal. Ouais, c'est très beau. Hein. Bon, ça va. Un petit coup de frais, un petit coup de peinture et puis hop, c'est reparti. Hein. Ouais, faudrait changer la couleur. Quoi.
Bon. Bonjour. Bonjour. C'est du matos par terre. Putain, ouais, c'est quoi tout ça là? Oh, je sais pas, j'ai pas envie de regarder. Ouais, généralement, c'est de la saloperie de tenue. Ouais. Moi, je me prendrais peut-être un petit truc. Moi, c'est pas trop mal ce que j'ai, mais un petit truc. Pour voir s'il y a peut-être pas une petite tenue un peu pro. Tu regardais aussi. Ah, mais il y a des tenues qui existent. Tenues. Nouvelle collection. Homme de main. Ah ouais, ça passe pas mal. Travailleur. Child. Child 2. En tenue préfète, celle-là, elle est pas si pire. Hein. Ouais, alors ça fait. Ouais, bah, on va dire que ça fait conducteur de bus ou un truc comme ça, quoi. Ça fait très très 60s hein, quand même. Hein. Trafic d'armes, métier. Ça, c'est. Ça, c'est, ouais, c'est nickel, là. La village people. Standard. Y'a quoi Anthony Saint-Valentin? Ah bah c'est pas mal ça mine de rien eh. Ouais c'est ce que je... Ouais, c'est dans les tenues, c'est séducteur. Parce que si t'enlèves le chapeau, tu sais genre voilà, c'est pas si pire. Ouais. Hein. Ah bah là t'es bien, reviens, c'était parfait. Là si jamais on a des voyages, on doit aller chercher un client sur la lune, on est bien. Bon même celle-là. Hein. Bah celle-là ouais, clairement, celle-ci t'enlèves le truc, c'est pas si pire. Hein. Oh, pas mal ça aussi. Eh, hey, ça c'est sympa de vous. Ça c'est classe, hein, ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Ouais, mais je crois que je vais prendre ça. Moi. Ah, ouais, ça passe super, je trouve. Hein. Parce qu'en plus, je crois qu'ils te mettent tout. Hein. Ouais, ouais, ils te mettent tout. Ouais. Ah, par contre, ça va peut-être peser un peu plus, non? Ouais, mais bon, c'est pas très grave, on est taxi maintenant. Ah oui, j'avoue de te dire, ouais, c'est vrai que là-dessus, on s'en fout. On s'en va un peu les cacahuètes. Hein. Attends, je vais me changer. Ouais. Ouais, ouais. Ça fait chauffeur pour parrain de la mafia. Grave, grave, ça fait chauffeur pour la mafia. Mais j'avoue que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal ce truc-là. Moi, j'aurais bien peut-être pris ça, tu vois, mais peut-être pas en changeant le pantalon, peut-être. Alors, regarde, en plus, sans le chapeau, ça fait bien, non? Ah, ça fait nickel. Franchement nickel hein. Allez. Moi j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là moi. Ouais c'est sympa aussi. Mais je me tâte parce que c'est vrai que moi il y a tout le truc mais je pense qu'il y a moyen de choper juste le haut parce que j'aurais pris un pantalon noir plus peut-être moi. Ouais mais non justement c'est ça qui faisait son charme c'est que tout était. Ouais ouais. Après c'est vrai que c'est un gain de temps parce que du coup t'as tout direct dans le petit cellophane t'as tout c'est ça. Ouais. Et du coup, quand tu l'achètes, il te le donne après. T'as tous les trucs séparément après ou t'as juste le cellophane? Non, t'as ton cintre avec tout dessus, mais après tu peux aller retirer. Tu peux y retirer un port. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'as pas de doublon, t'as pas le cellophane plus comme ils avaient fait l'autre fois là. Ah non, je crois pas que c'est le doublon. Imagine, tu fais un cosplay machin. Non, t'as pas de doublon. Oh, ça c'est bien parce que c'était chiant quand on avait fait nos propres tenues l'autre fois. Ouais. Quand on avait fait nos propres cintres. Trafic d'armes. Putain, trafic d'armes, ça rigole même pas. Tenue et costume. Merde. Sinon c'est pas trop mal comme ça aussi hein. Mais bon le truc c'est que je vais être tout seul comme un con du coup là. Comment ça? Mais non si je prends le même style que toi c'est bien. Ouais mais là ça fait vraiment très... Ah bah là on est dans le guindé là ouais. Ouais mais du coup prends aussi une tenue comme moi. Parce que toi ça fait... Ouais ça fait classe mais ça fait pas guindé quoi.
Ah ouais, non, mais je vais essayer de trouver un truc bien, ouais. Attends, je vais regarder. Bah c'est clair que là, les tenues que t'as prises, c'est parfait pour justement, comme il disait, si on a des convois, enfin, t'es pour des grosses soirées et tout ça, quoi. Bah, ça, c'est parfait, ça, non? Bon après c'est vrai que le côté pratique c'est que dans l'autre on a tout quoi. Bah ouais c'est clair hein. Puis après tu te rends vite fait au dépôt et puis terminé hein, tu laisses ta prime là-bas. Moi c'est celui-là que j'aime bien ouais. Ouais mais il est sympa aussi. Alors attends. Regardez ça. Il y a la cabine là-bas. Ouais. Ah, la cabine elle est là, ouais. Alors, on a quoi? Ça se passe comment? Inventaire. Vêtements. On s'en fout. Inventaire. Tenue. Soigner. C'est quoi Burger Shot? Ah, mais je l'ai pas acheté ça, tenue. Soigner. Et d'où j'ai une tenue Burger Shot là? Ça, on s'en fout ça. La Burger Shot, on la jette. Jeter. Hop, voilà. On garde que la soignée. Et donc, dans soignée, moi je veux. Remarque, attends. Soignée, tenue, soignée. Inventaire. Ok, et par contre dans vêtements, mince, vêtements, pas ça, bah si c'est ça normalement, attends, vêtements, bon tu t'en sors? Ouais ouais, attends deux secondes, attends, bon, ah, juste ce chapeau, faut pas que t'ailles voir dans tes poches, hein. Ouais ouais, accessoires, enlever chapeau, voilà. Et maintenant, mince. Lunettes, bracelet, lunettes. Ça, c'est mes lunettes à moi. Enlever les lunettes. Et regarde comme ça, là, c'est bien, non? Ça fait propre, non? Ouais, nickel. Après je sais pas si je mets les lunettes qu'il y avait avec la tenue ou je garde les miennes comme ça là. Bon les miennes elles sont bien hein. Moi j'aurais pris les autres du coup hein. Les autres ouais. Elles étaient stylées aussi hein. Attends j'ai regardé. Putain mais du coup inventaire. Tenue soignée. Vêtements. Ouais comme ça, ah, ça rend bien hein. Ah oui puis c'est doré, c'est parfait. Ouais non mais oui, c'est pour ça, ouais c'est bien. Ah bah nickel. Comme ça ça fait pro en plus hein. Bah carrément hein. Imagine tu te fais un cosplay de chauffeur de taxi GTA Vice City vert et blanc. Ah ouais non j'avoue c'est stylé hein. Il va pas recroire ses yeux là, Tom, quand il va nous voir, il va dire putain, vous avez cru que vous alliez faire quoi là? Eh, ça fait classe hein! Eh mec, c'est nickel comme ça! Ah, mais moi je trouve que c'est mieux, après voilà, c'est bien comme il a dit, les gens font un peu ce qu'ils veulent, mais moi je trouve mais que ah, c'est bien. T'as une petite chaînette toi ou pas au niveau de la poche? Ah, oui, c'est ouais, je dois avoir ça, attends, fais voir. Non, non, j'ai pas de montre, toi t'as une montre à gousset, moi j'en ai pas. Ouais, si, si, t'en as une. Ah bon? Mais...
Elle est pas très, ouais, pas très voyante. Ah si, aussi. Oui, t'as raison, ouais. Ah bon, on a ouais. Des petites montes à gousset avec, c'est bien, ouais. Ouais, nickel. Des petits montes à gousset ou des tasers, au choix. Tu veux, oui. Tu veux bosser un peu, là, du coup? Bah oui, on va aller bosser un petit coup, hein. Ouais, moi, je vas-y, vais prends ta voiture. Ouais, c'est vrai. Je te dis radio. Ouais, ouais. Ah bon, un coup, par contre. Ah, il manque un taxi de réserve, c'est normal. Salut Panda, yo c'est Panda. Tu vas bagnole. Ok, ça marche. T'as dégagé l'accès. Ouais, ah, c'est nickel. Bon. Alors Jason, t'as quoi pour moi? Véhicule, entreprise, taxi de réserve. Voilà, celui-là. Sortir véhicule. Ouais, on a le plein, c'est bon. Ok, bah nickel. Alors du coup là il faut application sur le tableau de bord. Course civile. Ouais, j'ai dû embarquer un loco moi. Ouais. Bah voilà, on commence, c'est bien. Ah bah pareil, c'est bon. J'ai un loco qui m'a pris, ouais. Ah bah super. 3 km 2. Yo Alexandre. Bon, mine de rien, c'est bien, ça change un petit peu que de comment ça s'appelle de faire du vin. Bah c'est clair, ouais. Après on fait peut-être chier, je sais pas si Tom il est encore là, on le fait peut-être chier là. Oh bah je pense qu'il est parti. Hein. Ouais c'est bien pratique cette petite radio. Hein. Ouais c'est clair, ça évite que je t'appelle toutes les 2 minutes sur ton téléphone. Ouais. J'espère que tu t'es pas fait flasher en partant là. Non je crois pas. Ok. Comment tu vas Alexandre? C'est toujours le bordel sur autour de Palais-Toi. Ouais, je vois. Putain, il nous a pas expliqué pour que c'est le petit GPS aussi là. Ah oui, bon, on verra plus tard, c'est pas grave. En même temps, si c'est le seul, ouais. Si c'est le seul radar du coin, on n'est pas trop à plaindre. Oui, c'est pas faux. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Je suis content hein, qu'on ait un peu une activité là. Ouais, c'est clair, ça va. Puis j'avoue que mine de rien, regarde, tu peux connaître du monde. Regarde, tout à l'heure, on a bien eu le patron du Michel Lange. Hein. Ouais. Oh, il y a un camion, il est passé à travers le mur, quoi. Bon, c'est cool quand même, les potes. Je sais pas si vous, ce que vous en pensez sur le live, là, en attendant d'avoir un peu mieux. Chauffeur, c'est sympa aussi, hein. C'est sympa aussi. Ça va nous occuper. C'est vrai que l'avantage aussi, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas limité par un temps de travail. Parce que comme sur le serveur, tu peux pas farmer H24 ton métier de récolte. Donc c'est pas mal. Puis je trouve ça bien aussi, c'est vrai que ce qui est mine de rien, qu'on soit pas limité sur un temps de travail, là, comme quand on bosse en intérim. Là. Ouais, c'est bien ça aussi. Parce que c'est vrai que bon, on faisait du pognon, mais je veux dire, une fois que t'as fait ton pognon, quand t'as plus rien à faire, ça fait chier, on passait notre temps à roupiller après. Et en plus... À mon avis, l'aide gouvernementale des 80$ là, ça va bien aider aussi. Hein. Ah oui, totalement. Ouais, c'est vrai que ça, on n'y pense pas, ça, mais c'est un plus. Hein. Bah oui, carrément. De quoi, monsieur? Vous voulez que je vous mette Fun Radio? Ouais, je vais voir s'il y a. Le mec avec moi, il veut Fun Radio, quoi. Bon, ça c'est notre première course, les potes, mine de rien. Première course en taxaï, hein. C'est plutôt cool. Oh, il veut qu'on aille à Sandy Shore, ok. Course à Sandy Shore. Ah putain, mon client il veut qu'on le dépose juste à côté de la maison qu'on avait.
Ah, t'es à Saint-Dichon là? Ouais, ouais, je le dépose bah, juste à côté de la ouais, maison moi aussi, où on était. J'ai déposé à. Ah bah, regarde! Ah bah, regarde! Help ouais, toi aussi! Bonne journée, monsieur! Eh putain, 200$ quasiment! Ouais, oublie pas de remplir, tu sais, le petit dossier. Ah merde, ouais! Donc là, on doit marquer combien on a fait de course, ça, le prix? Ouais, le prix de la course. Ok, attends, je vais mettre ça. Regarde sur ma feuille, sinon. Ouais, ouais, je vais copier, j'ai l'habitude. Alors, on va mettre quoi? Moi, je pense que Farmage 24. Ça peut être bien aussi pour. Moi, je pense que farmer H24, ça peut être bien aussi pour le roleplay des heures sup. Bah, le fait de pouvoir farmer plus, c'est vrai que c'est bien dans le sens parce que moi, j'ai toujours bien aimé avoir un compte entre guillemets bien rempli. Pas pour faire le beau gosse avec des voitures, mais pour pouvoir organiser des trucs derrière. Mais là, pour le coup, on peut pas farmer H24, donc du coup, voilà. Ah oui, ouais, il a fait une course citoyen, lui. Ok. Donc du coup, 194. Ouais. Ok. Alors moi, je marque ça. On est le 06-08-2019. Ok. Et on a mis 194$, je crois, c'est ça. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Parfait. Du coup, t'es parti te foutre où là? Je m'étais arrêté vite fait au lac, là, tu sais où ils nous avaient dit, mais j'ai eu ouais. Personne. Et du coup, j'allais faire le plein d'essence, j'en profitais. Et Blue ou Michel Lund, je crois. Ah non, c'est les ambulances. Pas monter là dans ma voiture les mecs là. Il y a des gens là. Oh, ça m'a fait flipper. Je viens de sortir de la station essence et ça a explosé quoi. Ouais bah je viens de voir ça juste devant moi. Ouais. Tiens, j'ai le parc animalier là qui me demande de récupérer un oiseau. Ah bon, où ça? À côté de la station. Il a un peu de mal à monter d'ailleurs. Sur la route principale? Ouais, entre le Michel Lunch et la station. D'accord, mais il veut même pas que je le dépose au zoo. Je crois qu'il a un problème avec le zoo, il veut que je le dépose chez un avocat. Ah oui, d'accord, il doit avoir un problème avec sa femelle. C'est quoi ces conneries d'histoire d'oiseau là? Ça va, monsieur, la température de l'eau? C'est quoi faire ça? Qu'est-ce qu'il fait lui là?
Jerry? Ouais. J'ai un mec à poil qui monte, moi. Bah, t'oublieras pas de lui demander si la température du siège chauffant lui va. Ouais. Ah, il va chez un avocat aussi, lui. C'est ça, les oiseaux? Ouais. C'est des mecs à poil, les oiseaux? Hein? C'est des mecs à poil, les oiseaux, ou c'est des vrais oiseaux? Non, c'est des vrais oiseaux à plumes, pas à poil. Ah, bah moi, il est à... mon oiseau, il est à poil, il a juste un jean. Bah, c'est un... Oui, effectivement, c'est un drôle d'oiseau, mais c'est pas vraiment un oiseau, quoi. Mort de rire, le moldu. Qui en est. Oh, il avait des petits problèmes de barricade. J'ai croisé un pêcheur là, un peu sur la route. Hein? J'ai croisé un des mecs de l'entreprise de pêche. Oui, ok. Il bombardait le mec. Hein. Putain, mais ils nous font chier eux, à chaque fois là. Ah, dégage toi, pas ton temps. Fais chier, il y a un moldu là, il s'est jeté sous ma route. Ich. Ça se passe bien avec ton volatile? Hein? Ça se passe bien avec ton volatile? Oh ouais, je suis bien pareil. Bah, moi je sais pas ce qu'il va dire Jason, hein, mais j'ai un connard là qui m'a coupé la route là. T'as défoncé ta bagnole? Non, je l'ai pas défoncé, mais elle a pris un petit choc sur le phare à droite là. Alors, une fois, je me rappelle, sur un let's play de GTA San Andrea, le Big Smoke tombe d'un pont. Le joueur, il fait un saut de moto. Cherche le Big Smoke, machin. Va dessus, résultat, écrasé, échec de la mission. Ah oui, des barres quand même. Ah oui, ça c'est des gros, ça c'est des barres. Yo Balgor, comment tu vas mon petit Balgor? La forme? Nickel, j'ai croisé l'avocat d'oiseau devant le bureau d'avocat là. Ah bah t'as pris son numéro non? Non, j'ai pas pris son numéro, mais il me disait qu'il attendait l'oiseau. Ouais. Il a eu des gros problèmes avec l'oiseau, ouais. Ah ouais, c'est pour ça qu'il vient venir défendre ses droits. Attends ouais, un petit ça. Peu, je vais te montrer l'oiseau que je ramène moi. Parce que je vais à l'avocat aussi. Attends, mais j'ai bougé, bah attends, je vais essayer d'accord. De rapprocher. Si ça se trouve, l'oiseau il est en couple avec la personne que je ramène. C'est peut-être ça, hein, ils vont faire les papiers du divorce. Ah d'accord, ouais. Bah ça va mon petit Balgor? C'est quand tu te mets à faire du contenu de qualité sur YouTube, Balgor, et sur Twitch? C'était une vidéo, machin. Ah mais il y a des trucs de ouf hein, sur GTA. Sans compter les mecs, moi ce qui me fait rigoler, enfin ce qui me fait kiffer aussi, c'est les mecs qui font des tricks. Tu sais, genre, ils font éjecter leur remorque, ça saute, sa machine, boum, ça se remet correctement. Il y a des mecs qui sont très très forts. Oui, c'est t'arrives bientôt ou quoi? Ah, je suis là, je suis là. Ça va. Halluciner l'avocat. J'ai posé bien, il y a un parking devant, vas-y, recule. Non, pas le panneau. Et voilà, monsieur. Ouais, je repars, j'ai un client qui m'appelle, tiens, derrière. Attends, Rebecca, je t'ouvre la porte. Voilà. Ah, merci beaucoup. Ah, pas de problème. Bonne journée, monsieur. Bonne journée. Eh, tu m'entends, là? Allo, tu m'entends? Ouais. Il y a l'avocat de Rebecca là. Je crois que c'est l'oiseau que tu viens de déposer. Il vient de le refoutre dans mon taxi. Alors va autre part, Rebecca.
Il était gentil, il a dit attends, Rebecca, je t'ouvre la porte, il a ouvert la porte de l'oiseau. J'ai pas fait le plein d'essence, c'est trop fort quoi. Il attend mon truc à 79%. Hein. Débarque quand même le mec qui a ouvert la porte pour l'oiseau. C'est marrant, hein. Eh, ça va au final, t'as des clients réguliers quand même. Hein. Ah bah oui, totalement. Hein. Ah, puis moi je trouve que c'est sympa, ça occupe. Hein. Ah oui, c'est clair. En plus, parce que. Bah en plus, moi, j'ai fermé la petite fenêtre qui est entre moi et le client, donc du coup je peux discuter avec toi tranquille. Ouais, pareil. Ah bon? Ah putain, merde, je suis en train de marquer. J'ai oublié de marquer la course juste avant, attends. Alors il a fait quoi lui? 193 dollars, voilà. Parfait. Ouais, non mais totalement, moi je trouve ça sympa parce que donc non seulement, comme je te disais, tu vois, ça nous évite... parce que quand on bossait à la vigne, des fois soit tu faisais tes heures avant moi, soit après toi, tu sais, puis après on était décalé, puis on n'avait plus rien à faire. Alors que là, bah tranquillou, on se promène, on travaille, mais je veux dire, moi j'aime bien ne pas être resté au même endroit, quoi. Ouais, bah c'est clair. Attends, je me demande s'il n'y a pas mon ami le Guy Psycho qui a eu un accident encore au niveau des montagnes. Ah oui, ça pourrait, ouais. Ah, ça se trouve, en fait, Rebecca, la mouette là, que j'ai, là, elle est en couple avec le gay psycho. Parce qu'elle s'appelle Rebecca, hein, la mouette. Hein. Il me l'a dit, son avocat. T'as bien fermé la fenêtre entre toi et le passager, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, de toute façon, en même temps, Rebecca, à part me bouffer du pain, voilà. Oui, oui, c'est pas faux. Et qu'on se fasse pas. Bah attends, elle attaque bien en justice l'autre, elle pourrait nous attaquer nous aussi, hein. Ah oui. Et en fait, il roule, hein. Ah, ça va, en fait, il roule, hein, les taxis. Hein. Oh, il roule bien, hein. Ouais, franchement c'est cool. Non, franchement c'est sympa, moi j'aime bien, c'est comme ça. Puis en plus voilà, les petites aides de l'État, ça aide bien, ça rajoute du beurre dans les épinards. Ouais, carrément, ouais. Mais du coup par contre, ce qui est bien, mine de rien, je suis en train de penser, c'est que tu sais, quand il parlait des PPA et tout ça, vu qu'on a déjà notre test psychologique qui est validé, etc., faudrait qu'on voie après si on arrive à se démerder à faire valider le PPA derrière, et ben on serait tranquille, on pourrait même faire des convois. Ouais, voilà, c'est ça, en plus, parce qu'il y aura moyen, parce que là, concrètement, les flics, on va leur dire, bah on travaille là, on aura besoin de faire des convois de drinks. Ouais, tout à fait, voilà. Ouais, tout à fait, là, il y a moyen de faire un truc, ça peut être bien. Oui, on arrive, mademoiselle la mouette, vous inquiétez pas. Bonne journée. Alors, 138. 138. Voilà, on est bien là ou pas? On n'est pas bien les potes. Une fois j'ai réussi une mission, t'as l'avion, il a crash en plein air. Enfin en plein sur le... Merde, il est où mon coca là? En plein sur un truc, il arrive quasi jamais mort. Ah oui, mais des fois t'as des trucs de ouf. Mais je te dis, t'as des mecs, t'as des vidéos sur YouTube de mecs, ils sont sur l'avion, ils sautent. Oui, j'ai déjà vu des trucs, t'as les avions qui se croisent comme ça, et les mecs ils arrivent à interchanger. Leur cabine, tu sais, genre, il y en a un qui vole la tête en bas, l'autre la en normal. Ils arrivent à interchanger, ou ils font des sauts, ils lâchent l'avion, ils s'éjectent, genre, ils planent avec la wing suite ou des conneries comme ça, ils ratterrissent dans l'autre avion, enfin, des bordels.
Bah du coup j'ai déposé pas loin du la mouette, je l'ai déposé pas loin de, du truc de pêche. Moi j'ai déposé au marchand de masques. Ah bah oui bah c'est à côté ouais. Ouais. Après moi je vais vers le LTD, je sais pas ce que t'en penses. Ouais bah c'est ce que j'ai fait mais y'a personne. Je redescends sur Sandy Shore voilà. En fait je pense que étant donné qu'on a pris notre service en même temps. Oh, on a un peu le même type de client ouais. C'est ça. Ah non, pas dans la vraie vie. Hein. Non, mais je sais plus si c'était les mecs, ils ont des winsuits ou des machins comme ça, genre GTA, je vois quoi. Tu te rappelles la vidéo de No Man's Sky sur la ferme où tu faisais 40 millions? Bah, bien sûr, je me rappelle, Enzo. Je me suis mordu, je me suis fait trop mal là tout à l'heure. Ça défonce. Ouais, j'ai en profité pour mettre de l'essence au LTD aussi. Ben, j'aimerais faire ça, mais je sais pas si ça marche encore. Bah, il faut juste que tu te renseignes sur les prix les plus intéressants en termes de composants à faire en ce moment. Ça va tellement vite, tu te manges les... Ah non, mais la Winsuite, c'est énorme. Mais la Winsuite, c'est ultra kiffant. Et donc, ouais, donc pour No Man's Sky, il faut juste que tu regardes un peu les prix, ce qui est intéressant en ce moment. Et puis, en fonction de ça, tu... Merde. En fonction de ça, tu avises, tu fais comme moi. Tu sais, genre, moi, j'ai fait ça parce que c'était intéressant à ce moment-là. Mais sinon, tu fais... Putain, mais il est où le mec que je dois récupérer? Il est où le mec que je dois récupérer? Ah non, il est sur le toit, me dis pas qu'il est sur le toit. Il est où le type? Il y a un mec, je sais pas où il est, là je dois le récupérer à côté du LTD, impossible de voir où il est. Il est peut-être sur un toit, c'est ce qu'il disait. Et du coup, on fait quoi quand c'est comme ça? Bah soit tu vas le pousser. Mais bon, vu le monde qui est autour du LTD, ça peut paraître un peu chelou. Soit tu traces et... Non, tu sais, c'est le garage à côté du LTD, quoi. Ouais, ça va faire chelou si tu commences à monter sur les toits et tout. Oh, mais putain, ma voiture va être éclatée. Il vient ou quoi l'oiseau? Putain, mais c'est la merde en plus pour le pousser lui. T'es monté sur le toit quand même? Ouais, bah oui, mais. C'est quoi, c'est un oiseau ou... Ouais, c'est un oiseau à la con. C'est toi qui est en bas là? Mais il me casse les couilles le machin là-haut là. Je peux pas le taper parce qu'il me casse les couilles lui là. C'est long ton œil.
Alors, oh attends, j'ai des messages. C'est quoi ça? Ouais, je verrai après. On fout. Du coup, ouais, non, c'est chiant l'oiseau à la con là. Et pourquoi t'étais à côté? T'as eu une course? Non. Et comment t'as su que j'étais là? Ah bah, je t'ai dit, remarque, je suis con, j'étais. Bah oui. J'avais envie de voir ça. T'es monté là-haut? Ah, puis en plus de ça, là, je vois pas vers Paléto, mais j'aurais pu récupérer une course sur le chemin, sauf que j'allais un peu trop vite, j'ai vu au dernier moment et je me suis trop éloigné, et il s'est barré. Par contre, du coup, moi, je sais pas comment ça va se passer avec Jason. Faudrait peut-être que j'aille voir les mecs, les mécanos avant, non? On monte sur Paléto, là? Putain, en plus, je me fais chier depuis tout à l'heure, mais en fait, ce con, il veut pas sauter le toit. Bah, sinon, après, tu peux passer à un autre, hein. Bah, je vais faire ça, mais ça fait moins 10 minutes que je suis sur sa gueule, quoi. Tant pis, hein. Et c'est les risques du métier, hein. Par contre, du coup, ouais, les dépannages. Ouais, faudra que j'aille voir les mécanos, je pense. Hein. Oui, comme ça, en plus, on aura une bagnole propre. Ouais. Sans, tu me diras, je vais pas tarder, il est déjà bientôt minuit là. Ah, oui, tiens, il y a l'adage, faut. Attends deux secondes, faut que j'aille prendre des trucs aussi LTD. Si j'ai une course en arrivant sur Paléto, je la fais, sinon je rends mon service. Demain, je serai là dans la journée. Ouais. Attends deux secondes, je suis au LTD, je vais prendre des trucs. Ouais. Inventaire. Bonsoir. Oui, rebonsoir. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais vous prendre 5 jus de carottes et 3 grabes, s'il vous plaît. 5 jus de carottes, 3 crabes? Non, des grabes, des grabes. Des grabes, ah oui, pardon, des grabes, autant pour moi. Je reviens, hein. Ouais, ça marche. Que 10 vues? Comment ça, que 10 vues? Ouais, y'a plus que. Ouais, y'en est 10 encore sur le live, ouais. Inventaire, 5, ouais, 5 jus, ouais, c'est bien, 5 jus et 3, ouais, c'est bien. Putain, c'est le bordel dans le centre-ville de Paris, quoi. Ah oui. Moi, je suis en train d'acheter 2-3 trucs à bouffer au LTD. Les jus de carottes, le goût que ça de que ça a dans la réalité. Ah, moi j'aime bien le jus de carotte. J'aime beaucoup. Hop 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 hop. Ah, au pas de course, ouais. Je peux y aller avec de l'énergie. Du coup, on avait dit quoi? On avait dit 5 jus de carottes et 3 grammes. Et 3 grammes. Attendez. Et tant que je m'achète, ça va être en route. Voilà. Ça fait 111$ tout pile. Ouais. C'est vraiment un beau chiffre, ça. Ah oui, ça passe. Oh, moi j'aime bien. 1-1-1. Ah ouais, non, c'est bien. Hein. Non. Ah ouais, je suis d'accord. Par contre, c'est pas une tenue pour aller faire de la vigne, ça, si? Ah non, mais c'est fini la vigne. C'est fini? Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on en était embauché dans l'entreprise de chauffeur. Oh bah ma zette. Ça change de tenue, hein. Ah bah oui, c'est plus sympa, ouais. Ah bah oui. Après, on n'est pas obligé forcément d'être bien habillé, mais moi je trouve que c'est bien quand même. Je veux dire, on a des clients, on doit être respectable, quoi. Oh bah oui, après, tant que vous êtes pas à poil, je pense que c'est pas de problème. Oui, oui, bah mon dernier client était à poil, lui, donc bon, voilà. Comment ça?
Ouais, il était pas très habillé, il avait des tongs, et puis ça surtout quoi. Après, comment on fait ça? Bah, il avait un petit short, hein, mais après le reste, voilà, il était. Voilà. Ah, ouais, bah après, bon, c'est l'été, hein, il faut bien réfléchir d'une manière ou d'une autre, hein. Oui, non, bien sûr, mais il y a tout qui dépassait du short, c'était un peu dégueulasse, hein, dans le rétro. Ah, je constate que. Oui, d'accord. J'évitais de regarder mon rétro intérieur. Vous le regardiez dans les yeux, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien. C'est mieux, hein. Bah, merci beaucoup du coup. Bah, bon courage du coup, et puis au plaisir. Et bah vous aussi, et puis si j'ai besoin de mon taxi ou d'un chauffeur un jour, j'hésiterai pas. Ah bah oui bien sûr, allez-y là, on est en renfort là du coup, là on est au taquet. Ah bah là. Oui, bah tiens, tant que je vous tiens. Vous faites juste taxi ou vous êtes aussi dans d'autres branches, genre livraison, etc. Alors, nous, on vient d'être embauchés, donc pour l'instant, on fait que taxi à la base, mais c'est vrai qu'après, on nous a parlé comme quoi il y a possibilité de venir vous livrer et tout ça. Là. C'est vrai, parce que. Mais. Ouais, mais alors je sais pas encore du coup comment trop ça se passe encore. Ah, et vous avez pas des supérieurs? Non, justement, là, on a un collègue qui nous a formé un petit peu sur les bases tout à l'heure. Mais avec les vacances, on a beaucoup qui sont pas là, mais on a notre DRH qui arrive dans quelques jours. Et ouais, mais quelques jours, nous, ça va pas être possible. Oui, non, mais je sais, c'est galère. Ouais. Mais il est pas là, votre collègue, un peu plus... Non, mais je peux toujours essayer d'envoyer un message, un mail ou un truc. Je veux bien, parce que vraiment, ça commence à être critique, notre situation. Ouais, au pire, je vais vous donner mon numéro, je vais le contacter, et puis je vous tiens au courant. Ouais, bah ouais, avec plaisir. Alors, attendez. Attendez, je note, de quoi noter, hop. Dites-moi. Alors, 555... 31-094. À quel nom du coup? Jerry Walker. Vous avez qu'à m'envoyer un SMS avec votre nom, comme ça je vous tiens au courant, je vais lui envoyer un message et puis je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles. Ça marche, je vous envoie un petit message. Yo, Arm Monster. Hop là. Ok, nickel, ouais, parfait. Merci. Eh ben je vois avec lui et puis je vous tiens au courant si j'ai ce qu'il faut. Et okay. Au pire, je verrai si on a possibilité de nous, à la limite, de vous livrer après ou s'il faut quoi. Ok, bah après faites pas non plus, vous mettez pas dans l'embarras pour nous. Ah bah non, mais je demanderai, voilà, si nous on a la possibilité de livrer, on viendra vous livrer quoi. Oui, voilà, ok. Ça marche, eh ben écoutez, bonne soirée ça à marche. Vous. La bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Alors, accéder à l'essence. Hop, on va mettre remplir de 30. Alors, salut, ça va? Salut mon pote, ça va? Yes, yo Momo, comment tu vas? AK47, Ayoub, coucou, je vais me abo, t'es le meilleur. Eh ben merci beaucoup AK47. Merci à toi. Alors attends, elle m'a bien donné ma bouffe et tout ça, c'est bon là, on est d'accord. Hein, on est bon, 7 et 7. Alors du coup, je vais noter son truc à elle. Elle s'appelle Charlie machin LTD, ok. Alors on a dit 555-5120. Oh, c'est facile ça. Charlie Lee LTD. Charlie Lee. Il n'y a pas moyen juste d'enregistrer comme ça, envoyer une photo, non. On ne peut pas. Donc alors attends. On a dit 51-20 Charlie Lee. Tranquille mec, tranquille, merci. Tu sais que je suis c'est avec moi où on a parlé sur Discord. Oui, bah je me doute Momo, je me doute que c'était toi. Nouveau contact. Ajouter contact. Merde, je me rappelle déjà plus du truc. On a dit c'est 51-20, mais putain, on peut pas enregistrer ça? Non, on peut pas, fait chier, ça serait bien si on pouvait enregistrer directement, ouais. Donc 51-20, contact, ajouter contact, numéro 555-51-20, ok, et on a dit que c'était Charlie Lee LTD, voilà, enregistré. Parfait. Et là, du coup, quand on va là, parfait. Charlie Lee LTD, on est parfait. Du coup, on va envoyer un message. Je vais envoyer un message sur l'application. Sur l'application, c'est Discord en vrai. Hein. On est d'accord, les potes.
Alors, discussion. Bonsoir. Alors, attends. Toujours là, Jerry? Ouais, ouais, je suis là, mais attends, faut que j'envoie un message sur l'application parce que la nana du LTD m'a demandé si elle pouvait avoir une livraison parce qu'il commence à avoir des stocks dans un état critique. Ouais, mais non, mais justement, Tom, on a été voir pour ça. Normalement, le boss doit passer ce soir par rapport à ça, mais c'est pas sûr. Ah, bah je vais lui dire alors. Et... Non. De quoi? Je lui dis ou pas, la nana? Tu lui dis que la direction est en vacances et que les effectifs restants ne peuvent pas faire de livraison pour le moment, mais que c'est en pourparler. Ouais, bah ça, je lui ai déjà dit. Mais après, comme elle m'a dit, genre elle, je lui ai dit, bah du coup, je lui ai dit, il y a l'ARH qui arrive dans quelques jours, mais elle a dit, quelques jours, ça va pas tenir pour elle. Ouais, bien sûr, mais dis-lui que de toute façon, Tom, il est dessus, il est en train de. Ok, bah je vais lui dire, je vais lui dire. Ah tiens, bah, le taxi qui était dans le garage, putain, il a besoin de moi. À chaque fois, il me demandait de ralentir. Hop là. C'est bon ? C'est pas bon. Ouais, alors du coup. Je crois que j'en avais un peu plus que ça. Bah non, tu m'en as donné 18. On a eu soif sur la route. Ah, ah bah ça, bon. Oui, tu m'en as donné 18. Ok, ouais, t'as bien dit 18 hein, du coup. Oui. Ouais, donc du coup j'ai contacté ma direction, ils sont sur le coup, ils vont faire au mieux, comme ils ont dit, peut-être qu'on a notre PDG qui pourra passer ce soir, ils vont faire au mieux. Ouais, parce que vraiment là ça commence à être la rupture d'un peu. Ouais, ouais, on a un de nos responsables qui est sur le coup de toute façon, il est au courant, okay. il a commencé à regarder un peu les trucs tout à l'heure et ils vont faire en sorte de vous livrer plus vite parce que forcément faut qu'on arrive avant la fin, vous soyez en fin de stock quoi. Bah il y a plusieurs trucs qui sont déjà en fin de stock. Ah oui, d'accord, ok, ouais, en rupture, ouais. Non mais je il y a plus de cigarettes. Ah oui, ouais, d'accord, bah oui, c'est un peu problématique. Il faut un peu la gueule. Ah ouais, c'est sûr. Mais là, du coup, voilà, j'ai relancé le truc, mais ils sont sur le coup. Ok, ça marche, bah merci beaucoup. Bah y'a pas de quoi, bonne journée, bonne fin de soirée à vous. Et merci à vous aussi, bon au revoir. Au revoir. Les fumeurs font la gueule, moi j'ai dit, bah qu'est-ce que je suis. Ah, merde. Ouais, Ward, t'es là? Ouais. Ouais, désolé, j'avais coupé la radio le temps que je discutais. Ouais, y'a pas de soucis. Heureusement que tu l'as coupé, sinon je t'aurais insulté. Bah, du coup, je lui ai expliqué tout ça. Hein. Elle m'a dit qu'elle d'accord, elle comprenait, puis que bah, voilà, ils allaient attendre. Hein. Ouais, bah, oui, bah, de toute façon, je crois qu'il y a pas trop d'autre choix, quoi. Ouais, ouais, je crois que là, voilà, bah ils peuvent pas faire trop autrement, mais elle m'a dit qu'ils étaient déjà en rupture de stock du coup sur certains produits. Hein. Ouais, bah la dernière fois j'ai essayé d'acheter. C'est quoi ça? Elle joue à saut de mouton, elle, ou c'est comment? Ouais, bah là, des clopes, elle en a plus. Elle m'a dit les fumeurs font la gueule. Ouais, bah heureusement que j'avais fait les stocks la dernière fois. Hein. Ah, bah oui, t'avais pris une cartouche ou je sais pas quoi là. Ouais, bah oui, j'ai commencé à taper dans ma cartouche à la porte, mais. Moi j'aimerais bien trouver un client qui me ramène sur Paletto là. Hein? J'ai dit j'aimerais bien trouver un client qui me ramène sur Paletto. Ah oui, oui. Bah moi du coup j'en ai pris un sur Paletto, j'arrive à son différent. Ouais, du coup elle m'a donné son numéro, je lui ai dit qu'on la tenait au courant si jamais j'avais des infos ou quoi, des nouvelles ou quoi. C'est qui, c'était Grab? Ouais, c'était Grab, c'est ça, elle s'appelle Charlie. Et du coup je lui ai pris 5 jus de carotte et 3 Grab. Nickel. Mais je crois que ouais, je vais aller en direction du garage. Moi j'en avais fait réparer la bagnole du coup. Et du coup il te demande rien, pas de facture, rien? Non, il m'a dit ouais, je vous mets sur le compte comme d'hab. J'ai fait ouais, comme d'hab. Ouais, comme d'hab, ouais. Mais ça c'est pratique hein, parce que c'est vrai que mine de rien ça ferait des frais en plus hein, quand même. Ouais, bah oui, c'est ça. L'essence ça va parce que ça a pas l'air de trop consommer, donc ça c'est sur nos frais, mais bon voilà quoi. Ouais, et puis ça consomme pas des masses, et puis c'est pas comme si c'était extrêmement cher non plus. Oui, toi. oui, ça va quoi. Y'a un plein, t'en as pour 130$, un truc dans le genre. Bien, je viens de faire je vais devoir te laisser à plus, passe une bonne soirée. Ça marche Momo, bonne soirée à toi, y'a une mouche qui me casse les couilles. De quoi? Merci beaucoup d'être passé. 248$. Ah, propre! Moi, depuis tout à l'heure, du coup, j'ai rien foutu parce que j'avais ma mouette qui était bloquée.
Et après, je suis passé au LTD là, du coup. Mais du coup, heureusement qu'on a les 80 balles d'aide pour l'État, parce que c'est vrai que du coup, en plus, quand tu commences comme ça, que t'as pas eu de salaire, quand t'as pas eu d'avance sur salaire comme ça, il te faut un peu de thunes pour voir le pouvoir de pour en venir, oui, quoi. Si jamais t'as besoin de t'acheter à bouffer, à boire, des machins. Ah, puis pour le plein aussi. Ah bah oui, mais rien que pour payer l'essence, par exemple, ouais. J'avoue que ça pourrait être pas mal le GPS détecteur là avec les zones de danger ou je sais pas quoi là. Parce que là c'est vrai qu'on a qu'un seul radar, mais si jamais on est amené à descendre sur Los Santos, ça pourra servir. Je sais pas si on peut prendre les courses à Los Santos. Je ne sais pas du tout, mais je pense pas parce que là on est vraiment chauffeur ouais. Baissé quoi. Ouais c'est clair. Et du coup, t'as pris un client en sortant du garage ou avant le garage ? En sortant du garage. Parce que si je prends un client avant, il va faire la gueule si je l'emmène au garage. Hein. Bah nickel, moi je récupère un client qui me remonte sur Paléto. Parfait. Eh bah putain, nickel. Toi t'es bien, toi t'as la belle vie. Hein. Ils sont où, eux ? Et bonsoir monsieur. Et bonsoir, comment... Ah oui. Oui, je sais comment je peux vous aider. Ouais bah oui, mais j'ai eu quelques petits soucis là tout à l'heure en sortant de la ville ouais. Avec les locaux là, ils foutent je sais pas ce qui se passe là à côté du radar là, ça les fait flipper hein. Ah ouais bah c'est possible alors. Ouais c'est pas la première fois que ça arrive. Bah je prends votre véhicule, je vais l'emmener à l'intérieur. Ouais y'a pas de soucis, merci beaucoup. C'est ça. T'inquiète parce que je t'aime en amitié. Oui. On a un contrat avec les taxis. Oui on a un contrat ouais c'est ça. Okay, y'a un contrat pro ouais. Ça marche mon petit Momo, y'a pas de soucis, des bisous. T'inquiète parce que je t'aime en amour. Ah oui du coup c'était Aka, oui Aka. Putain je t'aime en amitié. Parap. Bon de toute façon on va stopper le live hein, les potes, hein. On va stopper le live dans pas longtemps. Il est quelle heure, 23h58, de toute façon moi je vais stopper de jouer dans pas longtemps aussi. Voilà quoi. Qu'est-ce qui fait les vroom là? Bon c'est cool en tout cas, ça avance un petit peu, on va connaître un peu plus de personnes. C'est cool. Ouais Jerry, retour radio là, j'ai coupé parce que je suis au garage. Hein ? Je sais pas si tu m'as parlé, j'avais coupé la radio, je suis au garage. Oh non. Toi tu fais ta petite vie là, tu transportes de la mouette. Et du coup, la nana du LTD, elle me dit disons que vous êtes drôlement bien habillé pour travailler à la vigne. Je suis oh là, c'est fini la vigne. Et c'est pour ça qu'elle me dit ah, bah du coup, ça tombe bien si vous êtes dans la toute entreprise de chauffeur, patati patata. Du coup, il va falloir que je trouve un nouveau mot pour que ça aille avec le taxi. Comment ça, bah Grab, ça marche bien aussi, mais après, ouais, je sais pas. Mais grave, c'était par rapport au fait que de la grappe quoi. Ouais, mais bon, ça fait une petite private joke, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Tu
T'as, j'avoue que nos frags, ils sont bien, ils passent bien pour faire le chauffeur. Hein. Ouais, de ouf. Salut Azeï, comment on fait pour jouer à GTRP? Il faut que tu télécharges 5M Ch'ti 59. T'as un logiciel qui s'appelle 5M, il te faut GTA à côté et puis après tu peux jouer tranquillement dessus. T'as plein de serveurs, t'as plein de trucs. Et la mouche elle me casse les bons mecs depuis tout à l'heure. Bah écoute Ça, par contre il est long avec ma caisse là, il me demandait tout à l'heure si on avait un contrat, mais là il est long. Moi j'ai mon client, il veut pas descendre. Ah, c'est problématique, ouais. Il fait quoi, lui, là-bas? C'est bon. Oula. Et des fois, ils veulent exactement la place de parking, quoi. Abusé. Et voilà, c'est tout bon. Eh ben merci beaucoup. Et tout le monde, merci à vous. Vous mettez ça sur le compte de l'entreprise hein, du coup. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. Ouais, retour radio. Ouais, je te disais, moi mon client il voulait pas descendre, faut se garer au millimètre quoi, hein, c'est abusé. Ah oui. Ouais. Bon allez, moi je vais ranger le taxi et je vais y aller. Ok, ça marche. Ah bah putain, en sortant ouais, directement, j'ai un client aussi, ouais. Et je sais pas combien de camionnettes de CNN au commissariat, je sais pas ce qui se passe, mais... Oh là, le bordel que c'est dans Paléto, là. Ah mais ah c'est bah. Horrible, 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 horrible. Ouais, je viens de te croiser, t'étais... Ouais, j'étais en face de la boîte, là. Ouais, ouais. Je viens de me faire mon taxi, mais je vais y aller mollo, je vais y aller vraiment tranquille, parce que j'ai pas envie de retourner au mécano, hein. Ouais, tu m'étonnes. On est bien là, on est ouais, 100%. Bon, au final, en plus de rouler tranquille, là, ça coûte rien. Parce que voilà, vaut mieux prendre un peu plus de temps et éviter de faire des allers-retours ici. Parce que après, c'est chiant. Parce que je pense. Merdant, il y a une bagnole de garage devant Jason. Ah bon eh? Une bagnole de chez nous ou peu importe, non? Bah, j'en sais rien. Ouais, je veux dire, c'est pas un taxi quoi. Non, 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 c'est une bagnole civile, mais putain, c'est emmerdant. Et tu peux pas rentrer dedans? J'ai réussi à ranger quand même mon véhicule, merci Jason. Ah, t'as réussi quand même? Je me suis mis un peu sur le côté, et puis... Ouais, c'est passé quoi. Ouais, Jason il a l'air fort hein, comme gars, hein. Ça a l'air d'un bon chef de dépôt. Hein. Un serveur GTRP à conseiller. Ben si tu veux jouer sur un serveur en free access qui est pas mal, qui est sympa, tu peux aller jouer sur Antares. Mais putain, mais t'es mieux à pied toi. Hein? T'es mieux à pied, t'es mieux sans voiture quoi. Moi? Ouais. Moi je suis venu à pied, ouais, j'étais avec ta voiture, je suis venu à pied depuis la maison. Ouais. Ah parce que là du coup je rentre mais du coup tu devras rentrer à pied toi. Ah bah c'est pas grave, on habite juste à côté quoi. Ouais c'est ça qui est bien tu vois, c'est pour ça tu vois on est bien à Paléto parce qu'on est juste à côté du taf tu vois. Je veux dire des fois on pourrait faire même encore plus près mais bon. Ah bah oui on pourrait faire encore plus près ouais. Mais après faudrait trouver ce qui est sympa quoi. Un bon rapport qualité prix faudrait voir. Ça se trouve, il y a un petit... on n'a pas trop regardé, tu sais, dans les petites rues à Paléto, il y a peut-être un petit immeuble sympa ou quoi, mais après, faut voir le truc, quoi. Mais bon, on n'est pas très loin, hein. T'as bien vu, en deux secondes, on y est, hein, même oui, à pied. Oui, hein. C'est on est quand même mieux situé, je trouve, que quand on était à Sandy Shore, quoi. Ah bah oui, clairement. Ah, moi, je suis rentré. Ça marche. Allez, je te laisse. Bon bah écoute, bon courage à toi et puis on se capte plus tard.
Ah ouais, y a pas de soucis, comme je t'ai dit, demain je suis en journée et soirée. Ok, ça marche. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Alors attends, on va se mettre 2 secondes là, on va stopper la radio. Oh merde. Ah ça va. Ok. Bon, je vais stopper le live pour ce soir les petits potes. C'était bien cool, c'était vraiment cool. J'en profite du coup un peu pour appeler mon pote. C'était vraiment cool. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été présent ce soir. C'était sympa. Peut-être demain il y aura un live, je verrai. Demain j'ai une vidéo à tourner pour vendredi prochaine vidéo. Ça va être sympa aussi. Et puis voilà, je vous fais des bisous. Peut-être à demain pour un live, demain ou après-demain. Et puis de toute façon, vous avez quand même suivi sur Insta. N'oubliez pas, il y a un concours sur Insta en ce moment. Si vous voulez aller voir les modalités, je l'ai mis dans l'onglet communauté de la vie de la chaîne. Il y a un concours pour gagner un beau drapeau de Fairy Tail. Donc n'hésitez pas à participer, c'est gratuit. Donc tant qu'à faire, voilà. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.